Oui. Eh ben moi, hier, j'ai travaillé Amazing Grace avec ta guitare, Capot d'Astre, avec une vidéo qu'elle jouait et je faisais pareil que dans la vidéo. Tu l'as rangé bien rangé mon Capot d'Astre? Je l'ai remis sur ton lit où il traînait. Bien. Je l'ai rangé là où il traînait. Bah c'est bien. Faut le ranger là où il traîne, sinon je l'en trouve plus. Il est sur ton lit. Bah c'est bien. Et donc Bah, je suis content. À l'occasion, il faudra qu'on regarde la vidéo parce qu'on pourrait peut-être essayer de jouer à deux en fait. Okay. Parce qu'à un moment, elle fait la mélodie. Mm-hmm. Et moi, ce que je fais, c'est l'accompagnement ou l'exercice. Mm-hmm. Et puis, si je vais jouer à deux guitares, j'aurais acheté une guitare folle. Quoi, mm-hmm. Tout fait. Wow. Ah, avec la guitare. Et j'ai téléchargé aussi une vidéo pour ça, c'est plus content. Jouer Stand By Me. En fait, elle est vachement bien parce que le mec il te fait d'abord super vite, donc ouais. Il dit oulala, t'as acheté multiprise. Ah non, mais c'est la même multiprise que. Et après, il le fait super lentement et tu ouais. Peux faire des arrêts sur image sur les accords, c'est d'accord avec des barrettes, donc c'est pour ça que j'ai pris la tienne, parce qu'avec nous, les barrettes, c'est pas la peine. Et je pense qu'en s'entraînant, en faisant vraiment super lentement, ouais. Et puis en accélérant progressivement, je devrais y arriver. Bah, c'est bien. Parce que c'est des accords avec. Le premier accord, c'est un barré, et après, tu vas rebarrer un peu plus bas pour faire pan. Pom, 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 tu sais. Donc voilà. Je te montrerai la vidéo. Ouais. Voilà. Et donc j'étais tout fier de moi, parce que j'arrivais à jouer presque comme elle faisait sur sa. Bah, c'est bien. Donc je pense que je mérite une guitare. Ouais. C'est mon anniversaire. Je vais en prie. Tu vas poser un toi ce soir. Non. C'est une chaussette sale, une chaussette propre ou sale je vais m'occuper du mais je vais pas mettre dans le salon, c'est pas la peine. J'ai bien un papier sur l'ordinateur de maman, je devrais pas les laisser à la Baptiste. Oui, je m'en occupe. J'ai mis un papier sur l'écran de maman, c'est marqué danger. Ne pas mettre en marche pour consulter les mails professionnels avant le 6 janvier, danger d'explosion. Ça va marcher. Ouais, je te dérange pas plus longtemps. À toutes. À toutes.
Non, ça a Bien sûr, marché. bien sûr. Ouais, alors pour bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Alors pour l'instant, apparemment, vous êtes 5. Alors pour l'instant, j'ai un petit problème parce que je cherche à afficher vos commentaires pour qu'on puisse discuter. Voilà, mettre à jour automatiquement. Voilà, ça ira mieux. Donc bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Donc comme vous avez vu, eh ben, on n'est pas sur. Je reviens sur le jeu. Voilà. On n'est pas sur. Comment ça s'appelle? Natural Selection 2, parce que bah, j'ai pas eu assez de réponses d'abonnés pour organiser l'événement que j'avais prévu. Donc ce sera reporté à une autre fois. Ah, pardon, je vais baisser un peu le son du jeu parce que moi je m'entends pas tellement. Voilà, j'espère que pour vous ça va. Mais voilà, donc on va se faire le début de Métro 2033 pour rester un peu dans l'ambiance fin du monde. Et puis en plus, bah, c'est une licence bah, que je joue pas du tout sur la chaîne, et même un type de jeu que je joue pas tellement sur la chaîne. Alors par contre, je tiens à vous prévenir qu'il y a un petit décalage aussi sur le stream du jeu. Donc vos commentaires, je les verrai en différé. Hein, enfin, quand vous mettez ce que vous voyez à l'image, moi je l'aurais déjà fait il y a déjà 30 secondes à peu près de décalage. Donc je pense qu'on va attendre un petit peu, histoire d'avoir peut-être un peu plus de monde sur le visionnage. Et puis on va commencer le live vers 17h15. 15 par là, 7h10, 17h15. Donc en attendant, si vous avez, je sais pas, des questions ou des choses comme ça à me poser, et ben n'hésitez pas, c'est le moment. Si tout ce que vous avez voulu savoir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Rémi, c'est maintenant. Vous avez 10 minutes pour poser ça dans les commentaires. Et puis j'essaierai d'y répondre en vous rappelant qu'il y a un petit délai. Donc voilà. Alors là, je suis en train de voir un peu les... Pour pas me retrouver à dire ah, c'est quelle touche, etc. Hein, automatique weapon. Bon, de toute façon, on va avoir le petit tutoriel très certainement qui va nous expliquer tout ça. C'est un jeu d'ailleurs en plus c'est tristement un jeu d'actualité puisque bah, THQ a plus ou moins déclaré faillite assez récemment pour ceux qui auraient suivi un peu l'actualité vidéoludique. Bon, apparemment, là, il y a pas mal de licences qui vont être prises, et puis déjà, il n'y a pas de licenciements qui sont faits, donc pour les fêtes de Noël et pour les employés, c'est plutôt mieux. Enfin, tant mieux pour eux, parce que c'est toujours triste en tant qu'un éditeur ferme, si en plus il y a des licenciements et des familles, etc., juste avant les fêtes de Noël, c'était pas le mieux pour ces gens. Et puis en plus, il y a pas mal de licences qui vont être prises, apparemment, qui vont être sauvées. C'est très dommage pour THQ, qui était vraiment un bon éditeur, qui a fait des bons jeux ces derniers temps et
qui en plus avait une politique assez impressionnante, puisque par exemple Métro 2033, il faut savoir que je ne l'ai pas payé et je ne l'ai pas téléchargé illégalement, bien entendu. C'était une offre qu'on avait sur la page Facebook. D'ailleurs, je pense que c'est Weezer qui m'avait transmis l'info, donc merci à lui, je sais qu'il regarde. Donc voilà, donc il y a peu d'éditeurs qui distribuent comme ça leurs jeux gratuitement en termes de promotion, donc c'est vraiment dommage qu'ils aient fermé. Mais bon, apparemment, ils vont être repris plus ou moins, donc c'est plutôt bien pour eux. Alors il y a Continue parce que j'ai fait des tests hein, pour le live, donc il y a le début. Mon micro est différent. Non, c'est le même micro, mais sauf que il est branché directement sur le PC au lieu d'être de tourner en indépendant. D'habitude, c'est un micro-enregistreur en fait, donc qui tourne tout seul. Il enregistre sur une carte SD, après je mets le son sur les vidéos. Mais là pour le coup il est branché directement au PC, sinon c'était le micro de la webcam, et je peux vous dire que là vos oreilles auraient bien souffert parce que bah, c'est pas la même qualité. Bon. Divisionnage en cours, mais quel record! Salut à toi Miri421. Ouais, donc voilà, vous avez vu qu'il y a un petit décalage, je vois les commentaires qui s'affichent. Normalement, je devrais pouvoir suivre ce que vous dites dans le jeu, mais il y a un tout petit décalage. THQ enfin, n'a pas fermé, mais THQ est devenu, enfin, a mis en vente une bonne partie de ses filiales, de ses licences pour pouvoir justement se renflouer. Donc tout est concerné sauf THQ Montréal qui reste là, mais sinon ils ont mis en vente une grosse partie du groupe justement pour se renflouer. Voilà. Il y a une info sur jeuxvideo.com pour ceux que ça intéresse. Il y a eu plusieurs. Puis bon, sur d'autres sites de jeux vidéo aussi, je suis pas payé par jeuxvideo.com, donc sur d'autres sites aussi de jeux vidéo, il y a des infos. Alors le canal de Babla, c'est pour l'instant, on attend un peu que les gens arrivent, donc c'est je vais commencer à jouer vers 17h10, donc voilà. Pour attendre que tout le monde soit là, je vais encore 4-5 minutes et puis on va commencer, parce que bon, si jamais la fin du monde nous rattrape, faudrait pas qu'on traîne. Il paraît que c'est à minuit 32 ce soir, puisque est-ce que je veux jouer sur DayZ quand il sortira? Alors c'est un jeu qui m'intéresse, enfin qui m'intéresse beaucoup. J'avais même été failli être tenté par The War Z à un moment de sa sortie, mais ah, le problème c'est qu'il faut y jouer en groupe, et je pense que c'est un jeu qui va vraiment me faire rager parce que si j'accumule du stuff etc. et que je meurs bêtement, je crois que c'est un jeu qui a une proportion à faire rager, donc c'est un jeu franchement qui m'intéresse honnêtement. Après bon, à voir, peut-être. Peut-être. Elle a été rachetée par qui THQ Miri, puisque moi j'ai pas tout suivi, donc si tu pouvais mettre l'info, comme ça je serais au courant, ça m'évitera d'aller la chercher. Bon allez, je pense qu'on va commencer à jouer, parce qu'on commence. Alors, le jeu est en anglais. Oui, on veut Overwrite. Alors, on va jouer en Ranger Hardcore, bien évidemment. Non, on va pas se la jouer. Voilà, on va jouer en normal. D'accord, bah je regarderai dans That ce cas-là. hour grew colder. Millie and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to fight our way through whatever Blabla. Alors en gros madness ils were disent waiting. qu'ils vont ils My sont dans les long tunnels, ils journey sont près de la was near surface, the ils end. vont monter à But la would I surface, have the donc courage, tout the pour will trouver to see it through? un chemin à travers les cauchemars qui les attendent. Mon long voyage était presque terminé, mais aurais-je le courage d'aller jusqu'au bout? Ouais, War Z, j'ai vu que j'avais été assez doux. Là, j'arrive plus à parler déjà, après 8 minutes de live, ça va pas. J'avais vu que ça semblait un peu l'arnaque. Enfin, je préfère attendre DayZ. Alors, le jeu est tout en anglais. Le pitch, c'est en gros rien que très classique. Guerre nucléaire. Ouais, mais bah, je sais qu'il y a plein de gens qui parlent pas anglais, donc vaut mieux essayer de traduire.
Donc le pitch, guerre nucléaire, blablabla, blablabla. Il y a des mutants, en gros, de ce que j'ai compris. Voilà, c'est le petit tutoriel. Hop. Ouais, ça marche pas. Donc on va devoir utiliser le machin, blablabla. Là, c'est juste le tutoriel, on va essayer de faire ça vite. Pour se baisser, c'est contrôle. La définition, je peux vraiment pas faire mieux parce que sinon, il va y avoir des gros lags. Donc la définition, c'est vraiment... il faut que je change des munitions là. Je peux vraiment pas faire mieux, je suis désolé, mais en même temps c'est du live. Je suis vraiment désolé à ce niveau-là. Voilà, le petit saut qui va bien. Alors il n'y a pas d'image. Si normalement il y a de l'image... Enfin sauf s'il n'y a pas d'image pour personne, mais normalement il y a de l'image. De mon côté, tout va bien. C'est là-haut, ouais, qu'il faut monter. Moi, par contre, j'ai juste faire quelque chose parce que c'est vraiment très sombre de mon côté. Alors, j'espère qu'on peut augmenter la luminosité. Les gammas, je pense. Ouais, l'image, c'est toi qui dois avoir un problème parce qu'apparemment l'image elle est là pour tout le monde. Juste dans une résolution un peu pourrie, il faut pas regarder en plein écran quoi parce que ça fait mal aux yeux. Mais là pour le coup je peux vraiment Ooh. pas faire mieux Looks avec ma like nobody's connexion. home. Before we hit the surface, put your gas mask on. Attendez, je vais faire un truc aussi, petite pause. Parce que là j'ai pas augmenté. Ouais, j'ai pas augmenté la ventilation de ma carte graphique, donc on est déjà à 60 degrés. Voilà, ça va aller mieux. La OK47, c'est la même que j'ai, je pense. Hop, voilà. Et je retourne dans le jeu. Donc là, on a mené un masque pour éviter d'être contaminé. Voilà, bababa. Ah, merde. Et on voit sur la montre, je vais pas regarder la touche pour la montre. Bon, c'est pas grave. Ah voilà, là c'est nos ennemis. Ah, mais j'avais pas de munitions dans mon... Je crois qu'il est mort. Bon, je suis un peu une quiche en FPS, hein, donc ça va être le live du fail. Regardez toute la vie que j'ai déjà perdu, non mais... Voilà. Eux? Non, c'est pas eux. Ouais. Ah, c'est pour se régénérer déjà. Que je take eux. C'est peut-être mage? Non. Bon, je verrai bien. De toute façon, pour l'instant, c'est pas trop important. Voilà, ça, c'est notre but. Visiblement. Mais là, c'est juste le tutoriel. Oui, on avance, on commine. Hop, 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 hop. Je vais quand même regarder cette histoire de montre, ça me perturbe. Keyboard, ce serait dans Movement certainement. Jones. Non, Weapons. J'aime pas ce son de... Light, c'est F. Je ferai des lives sur Natural Selection 2, ouais, il n'y a aucun problème, c'est juste que là, il n'y avait pas assez de confirmation d'abonnés pour faire le live, pour faire une partie avec les abonnés. J'ai eu 5 confirmations, mais ce sera prévu. Mage to sprint, ok. Non, c'est F la lumière. Voilà, alors la petite cinématique.
Glad to see you, Colonel. Listen. What the hell is it? À mon avis, c'est la fin du monde qui nous tombe dessus. J'espère d'ailleurs qu'on pourra finir le lab avant la fin du monde, ce serait quand même dommage de se faire interrompre. Ça sent mauvais. Maître Lasnet, bah peut-être, je sais pas. Je sais pas. J'avoue que là j'ai pris Métro 2033 parce que j'ai eu gratuit avec l'offre de THQ. Mais à côté de ça, oula, lui il me dirait trop rien qu'il vaille. Oh là 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 là. Et j'ai plus de balles, bah forcément. Je vous avais dit qu'on allait pas aller très loin. Et, je peux pas avoir des mines quelque part moi? Eh oh! J'ai plus de balles. Je vais mourir. Ah ah bon, j'ai plus qu'à me laisser mourir. Non! Allez, bouffe-moi toi. Et bah ben, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès en fait. Hein, donc. Euh, 21h30, alors moi j'ai lu minuit 32, mais apparemment il y a des heures de fin du monde différentes partout, donc bon, on verra bien, et voilà. Hop, 3 jours avant. Non. Hop, voilà. Life was never easy in the tunnels. Alors, traducteur, la vie n'a jamais été facile dans les tunnels, mais c'était notre maison, il y avait le confort et sa routine, on voyait les mêmes gens jour après jour, mais après l'attaque des mutants, la peur a pris dessus. J'avais juste eu 20 ans et je n'aurais jamais pu imaginer ce qui suivrait le matin suivant, où mon parrain, l'ami de mon... Oh putain, c'est une histoire de famille de malade. Où l'ami de mon parrain est arrivé à la barricade. Wouh. C'est bon. Ouais. Moi, j'ai lu minuit 32, la fin du monde, donc... Alors, je vous laisse la cinématique, quand même, un petit peu. Bon, c'est un peu long la cinématique, les cocos, hein. On n'a pas que ça à faire. Bon, allez, là, c'était bien gentil les images, mais hein. Artem. Enfin debout, Hunter est sur son chemin. Il va avoir des nouvelles des autres... Oh mon dieu, j'ai peur. Il aura des nouvelles des autres... Des autres stations, voilà. Alex. Ah, j'ai des petits lags sur mon jeu parce que bah, la carte graphique est mise à rude épreuve. Je suis en DirectX 11 moi de mon côté. J'aurais peut-être dû passer le jeu en DirectX 9. Ça aurait un peu... aidé aux performances, mais bon, il est un peu tard. J'espère que le début va pas être trop long. The hospital's full. The situation's under control. Let's go, Artem. Oui, bah on aimerait bien. He was at the outpost. Alexei was in the battle. Je peux mettre les sous-titres en français. Ah, ce serait une bonne idée. C'est dans quoi? Subtitles. Les sous-titres en français. Ouais, bah si tu peux me dire où c'est, ce serait sympa. Donc je suis là, je vais en profiter.
Ah non, parce que direct ça va passer. Ouais, bon bah quand j'aurai l'info pour mettre les sous-titres en français dans les commentaires, je les mettrai, ce sera plus simple. Oh, that's you. Bah ça m'évitera de voir à freiner avec mon anglais. Enfin, ma traduction plutôt. Hello, salut. Oh. Ils ont quand même bonne mine pour des mecs qui vivent dans les égouts et tout, enfin dans les stations de métro. Not much. Ouais, c'est le même Zazardifi qui commente et qui joue. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est buter de l'alien, allez. Avancez plus vite. Dans les débuts de FPS, là, ils ont toujours une tendance à marcher. Mais c'est tes copains. Mutants don't knock first. Open the damn gate. Alors, je sais pas si y a besoin de le faire. Faire un jeu le début à la fin. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais là, je peux pas. Là, je sors déjà une vidéo par jour depuis ces 2 semaines. Là, je sais pas si vous avez remarqué. Donc, je peux pas faire d'autres vidéos maintenant, mais il va y avoir du temps pour d'autres projets, hein, de toute façon. Donc, mais là. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Ah, je dis pas que je traduis mal, mais ça m'évitera d'avoir à me concentrer si vous avez déjà les sous-titres en français. Alors ouais, les undead infestent les tunnels, voilà, on s'en fout. Ils vendent des postcards de New York City, c'est cool. J'en ai pris une pour ton mur, super. Il y a des aliens partout, mais moi je collectionne les cartes postales, ça c'est cool. Ah ouais, mais le menu titre, ouais bon tant pis, je ferai la traduction peut-être pour un autre live. Oui, allez, on va tuer des aliens là. Salut Paolo. Et moi je veux une arme, donnez-moi une arme. Je veux pas me battre à main nue contre des aliens. Ouais, une arme. Ils sont sérieux là? Non, je vais pas me battre avec ça les mecs. Alors, tout juste besoin 1, 2, 3, 4, 5. Waouh, super original. 1, 2. Ok, j'ai un couteau et un 6 coups. Un revolver. Non mais, et lui, il s'est forcément pris la Kalachnikov de la mort, quoi. Mais, purée. Faut qu'on aille quelque part là. Ah non, ça m'est tombé dessus, je me souviens, ouais. J'avais vu une vidéo, c'était le début là. Moi aussi je veux une Kalachnikov. Oh, donnez-moi un fusil d'assaut. Je veux pas un vieux revolver. Ok, je crois que j'ai servi à rien, mais... Non, mais c'est quoi ça? Regardez-le! J'appelle pas ça un truc sécuritaire, quand même. Hein. Ok, bon, pour l'instant, on gère. Je vais peut-être recharger. Ils viennent d'où? Ah, ça vient de là. Oh! Admirez ce skill! Le jeu, je l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuit sur Facebook, il y avait une offre avant que THQ ferme. En aimant leur page, et ben on pouvait tout simplement obtenir un code de téléchargement pour Metro 2033, donc je l'ai eu comme ça. Ouais, encore une fois, j'ai plus de balles, c'est cool, ben, on va le faire au couteau. Hein. C'est carrément... Ah, le immigrateur à côté, c'est de la gnognotte, hein. Artyom. Ah, c'est très énervant ces petits freezes. Of course. It's a dead eye shot, this one. Ouais, enfin j'aimerais bien quelques munes quand même. Ce serait sympa. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Alors, le Dark Ones. Okay. Even when you don't see them, the dark ones are there. Ah, attendez, je vais faire un truc. Hop, c'est mon premier live, hein, donc il y a des petits ajustements, mais on va déjà enlever vidéo, ça, parce que, hein, voilà, ça, on va le mettre en 4x plutôt.
Voilà. Eh ben, j'ai plus de munitions, effectivement. Mais je suis assez mauvais au FPS, en fait. The Dark Ones are not simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? Ouais. Alors, il parle de l'évolution, machin, on a perdu... c'est les nouveaux humains, blablabla... Ouais, bah, en même temps, j'ai passé à peu près... J'ai passé au moins 5 heures à faire des réglages avant, vous imaginez pas tout ce que j'ai bossé avant. C'est un vrai parcours du combattant de faire des lives. Bon là en gros c'est ce que j'ai compris, c'est la merde. Il y a tout le monde qui nous attaque, ça a commencé à 17h donc non ça fait pas longtemps que ça a commencé. Ouais. Allez là, on veut jouer, on veut dans la marre des cinématiques. Bon, je passe la cinématique, parce que moi j'ai envie de jouer, donc... hein. En gros, vous connaissez l'histoire. Le Hunter n'est jamais revenu. C'était plus facile de trouver une excuse pour quitter la station et travailler, voyager jusqu'à la police. Mais j'avais donné ma parole. J'ai appris que la caravane allait en direction de Riga le... jour prochain, le lendemain, et avec besoin de garde, j'ai signé pour la mission. Bon. On va encore avoir droit à des cinématiques. T'as raté 20 minutes de cinématique et moi qui mets toutes mes munitions à côté des monstres, donc pas grand chose. Allez! Oh, ils sont longs ces Russes hein, quand même. Ouais, cool. C'est prêt à copier les quadrilles. Ouais, bon, je suppose que c'est des bonnes mines. J'ai acquis le journal. Si, je suis... Mais je suis jamais perdu. Oh. Et la montre, c'est... Ah non, j'ai cru que c'était Tab, mais non. Alors, c'est par là. J'ai pas regardé où je devais aller en plus. Je crois que c'est par là. Une monnaie d'échange, ouais, c'est mieux en effet. Ah, mais il y a des grosses flèches, je pense que je vais cibler les flèches. Tout bêtement. Est-ce que je peux prendre une arme là? Alors, ok, d'accord. Alors, combien j'en ai moi des pistolets? Qu'est-ce que je prends? Revolver, Estandit Barrel, Revolver, Silencer, j'aimerais bien ça. Mais j'en ai que 10, donc de toute façon, j'ai rien du tout. Je vais rester avec mon pauvre 6 coups sans munitions. Ah, ils vont me donner des armes certainement à l'armurerie. You need some weapons? Ouais. Okay, let's take a look. Submachine gun, 5.45 caliber, made in the armory. Ouais, pas mal. It's got poor accuracy and overheats like hell. That's why they call it a bastard gun. Okay. Use short bursts, Artyom. Help yourself to some ammo too. Ouais, des munitions. Parce que vu qu'en gros tout ce que je mets à côté, je vais en avoir besoin. There's a universal charger to keep the battery powered. Okay. And a gas mask. Put it on if you crossed any radiation hot zone. Army issue first aid kits, just in case. Eh ben, il pouvait pas tout me donner d'un coup, de sortir tout un par un. You're supplied, my friend. Cool. Feel free to try out your weapon on my firing range. And you try not to stick out your head. Non, je veux pas gaspiller mes munitions déjà. On peut y aller maintenant. Ouais, c'est pas là qu'on va en fait. Oh mon dieu, ça va être du fail. Je suis déjà paumé.
suis pas passé par là. Ah, j'aurais pu, ouais. Artyom! Artyom, here! Here! Move it! Il y a vraiment, c'est, ça m'embête ces, ces trucs. Voilà. Peut-être qu'en passant en direct. Ah, bon, tant pis. Je vais pas changer les. Tant pis. Hop, je ferai avec les mini prises. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que vous, ça, vous, ça, ça ne vous dit, ça vous gâche pas trop le live. De toute façon, la résolution est assez moyenne en, en live, mais bah c'est du live, on peut pas tout avoir. Et si ma connexion est pas suffisante pour ouais. Ouais, allez, viens. Bah ouais, attends, pas déconner non plus. Le mec il va pas venir s'inviter gratis là. Ouais, surtout les ceux qui restent à la maison, restent à la maison, nous on va combattre les méchants là. Tu peux tirer avec des balles qui servent d'argent. Ah ouais, tu. Ouais. Bon, de toute façon, vu ce que je vais dégommer comme balle. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma, la maison mère, la station mère. Ça m'a posé problème que je n'avais pas dit à mon parrain la vérité. Je n'aurais pas dû aller directement à Riga, mais Hunter dépendait de moi. Je suis obligé de garder ce machin en main là. Well, bet you've seen a few places then. Yeah, the market is right next to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to police, but getting there now requires a lot of luck. That or being from Hansa. The safe tip. How come? Hansa connects to the whole metro. Eh ben, y a plein de gens ce métro. Hein. But doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. En gros, tout le métro est connecté. Bla bla bla. If they're not fighting everyone else, they're warring with each other. Use your charge, your flashlight. Et comment on fait? Ah, d'accord. Ah, ça c'est pas bête, tiens. Slow down, guys. Peter, what's up? A military caravan got stuck near Alexeyevskaya. A tunnel collapse or other shit. You have to use the service tunnel bypassing Alexeyevskaya. Ah, fuck. Ok, on doit passer dans un autre tunnel apparemment. Right, open up the gate. No point being stuck here forever. On va passer par un tunnel qui est moins cool apparemment, ce que j'ai compris. It's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through there last month and well, I just don't like it. That's all. Ouais, bon. En tout cas, c'est bien parce que moi j'ai rien à faire. Lui, il fait tout à ma place. Heureusement qu'il est venu. Have a safe trip. We're riding a ham car and we're armed, so I think we'll make it there okay. Oh, on est quand même. Regardez-moi ce, ce pauvre flingue là. Je vais prendre ça quand même. Et j'ai pas beaucoup de mun hein, quand même. C'est lesquelles alors qui sont de l'argent? Est-ce que genre celle-là, c'est de l'argent ou pas? Peut-être du coup, il y a que. Ok, Eugene, you go help the men. We should move faster here. Ouais, j'avais compris que en haut c'était la merde, mais bon. J'aimerais pas vivre dans le métro quand même. C'est quoi ce, ce vieux brouillard là? Oh, c'était pas beau en tout cas. Boris. 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 Hey. What's happening to me? Ouh, c'est assez moche les textures là, il y a des... Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ça me dit rien qui va ça. Ok. Rien que très normal. Artyom! Over here! If we are to survive, this threat must be eliminated. Mm-hmm. At the cost. Toutes les munitions sont de l'argent. Ah d'accord, ok. Oula, ah, ça m'a pas l'air cool ça. Ah, ah, ça fait un son dégueulasse en plus dans les oreilles. Ouais mais c'est dingue ça, les trucs qu'il faut recharger d'avance. J'ai eu le même coup la première fois. Ils sont pas chargés de base. Ok, c'est bizarre. Hein. Allez, on veut jouer. Hop, je vais recharger mon arme comme vous m'avez dit. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Wake up, people! People, wake up for Christ's sake! Boris, Boris, wake up, Boris! Shit, it's no good. Je vais recharger ça aussi parce que je vais en avoir besoin, même si j'ai que 12 balles. Je vais éviter de tirer dans le tas. J'attends qu'ils viennent. Genre lui, il était vraiment dangereux, mais tant qu'ils sont loin. J'ai pas non plus trop de balles. Ah, il est là. Ah, plus tête. Ce que je suis en train de faire là, hein. Ah, vous entendez mon E là qui bourrine. Oh. Bah oui, c'est gentil, merci. Oh, il n'y a pas de balles dans son machin. Je peux pas charger mes balles avant. Oh, c'est quoi cette arme de merde? Il faut 20 ans pour recharger un truc, t'es bien gentil, mais hein. Ah, d'accord. Non, ça c'est pas bête. Mais en fait, faut appuyer sur les deux boutons. Ah, ça c'est une arme sympathique. Bah oui, mais il était juste là, t'es bien gentil, conserve les MO, mais je crois qu'il y en a un qui est passé par-dessus bord, non? Celui qui en est arrivé à là, il est... Ok. Ah, plus de balles. Oula, 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 oula. Ça sent mauvais, ça. Je sais pas si c'est vraiment normal que je me retrouve là. Ça a l'air normal. Ok. Ouais, bah bon, moi je serais en plein apocalypse. Je suis désolé, mais je garde mon flingue chargé, quoi. Je vais aller par là. Ah! Je vais courir. Ah, allez. Ah, oh, purée. Ouh. Ah, bah voilà. Pourquoi on n'avait pas ça, nous? Ça, c'est pratique. Enfin, franchement. C'est bien gentil, les pistolets mitrailleurs de merde, hein, mais... Ok. Riga Station was only the first stop on my journey. La station de Riga était la première, le premier arrêt sur mon voyage, mais la caravane n'alla pas plus loin. Alors, avant de que nos chemins se séparent, on a bu pour célébrer notre survie. La vodka n'a pas noyé ma peur du travail, du voyage vers la police seul.
mais j'allais me trouver moi-même, j'allais trouver une notion exceptionnelle de partenariat, d'amitié, blablabla. Oh, il a l'air cool son fusil à lui. All right, boys. Let's train to our friend Artyom. Yeah. He's right through monsters and anomalies alike. To Artyom. To you. Elle est où ma vodka à moi? Ah, quand même. Mon vodka dans le sac à café. Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. Eh ouais, je sais. At least some extra ammo. Here. Bah oui, des mots, ouais, j'aurais bien, parce que on en a quand même pas beaucoup, hein. Artyom, to you. D'un côté, vous me direz, si c'est la fin du monde, qu'est-ce qui fabrique les munitions? Plus grand monde. Artyom, you really mute that shit? See if that shroom vodka knocks him down, huh? Okay, we've got to check that. To our luck. Et on va bourrer la gueule. Allez. C'est bien la fin du monde, plus personne pour vous dire. Bref. La vodka kicks everyone's ass, hein? So tell me. Bon allez, on veut buter de l'alien. En même temps, je vais avec l'ambiance du jeu est assez pas mal. Alors. Ah, des munitions. Les mecs, ils laissent des munitions comme dans l'évier. Truc logique. Allez, on va aller faire un petit tour. Ouais. Je sais pas vraiment où on doit aller. Là, on a un briquet. Get to police for the ranger named Miller. Non, mais find a way out to the station and continue to police. Ok. Ah. Are you Artyom? Yes. Hey, there's a man at the Black Street waiting for you. Il y a un bon accent anglais, lui. Big and scary. And he doesn't smell good either. I'll guide you there for one ball. Oh. Allez, je vais y aller parce que sinon je vais me perdre. Oh, c'est sombre quand même ce truc. De toute façon, je suis pas à une balle près. Hein. Bon, par contre, faut te grouiller, gamin. Hein. On n'a pas que ça à faire. Hein. Oh là là là. Allez, on avance. On se bouge. Ouais, c'est un gamin de la fin du monde. On a plus besoin de bouger les lèvres. Bouger les lèvres pour parler, d'ouvrir la bouche. Hein. On verra bien demain. Come here. Oh bah j'aurais dû garder ma munition, je ne serais pas paumé quand même. Qu'est-ce que je vais m'asseoir. Everybody calls me Bourbon. Listen, I need to get to dry station for some business. This rat hole is on lockdown. En gros, la station, lui, il doit être parti, mais la station, elle est fermée, enfin, elle est verrouillée, pas sortir. Ok, ça marche. En gros, je l'aide à quitter la station, et apparemment, moi, je suis immunisé. Ouais. On va y aller, hein. Pas perdre de temps. De toute façon, je sais pas où est l'armurerie ici, alors. Mais ils avancent quand même ultra lentement dans le jeu, tout ça. La la la. Pourquoi il s'arrête tous les 3 mètres et doit faire une pause pour digérer sa vodka ou quoi? Allez.
Ah, un passage secret. As I entered the abandoned tunnel with alors, alors que j'abandonnais, que j'entrais dans les tunnels abandonnés avec Bonbon, je me demandais si j'avais tort de lui faire confiance. Mais les portes de la station étaient toujours scellées, fermées, et il n'y avait rien qui disait que j'aurais une autre chance de quitter Riga. Ouais. Now keep your eyes peeled. The handcar ride is over. Lots of tough guys died in these tunnels. But if we et en fait, j'ai vraiment plus beaucoup de mun. Oh mon dieu. Voilà. Ah, that's just a single order. They rarely attack groups of people. But if you're alone, watch your ass. Ah, quel débile. Ah, j'ai tiré n'importe comment. Je pensais que c'était juste pour zoomer, mais en fait non, je vais reprendre mon... Oh non, je vais regarder ça, ça m'a l'air cool. Bon, et si quelqu'un à nouveau la touche pour regarder la montre, moi ça m'intéresse, parce que... Oui, j'ai fait des vidéos sur le nouveau SimCity, bien sûr, dès qu'il sortira. Bon, lui, il a sa lampe, donc je n'utilise pas la mienne... je pense pas qu'il y ait du multi sur sur métro. Ouais, donc pour les commentaires, hein, les mises à jour automatiques mettent parfois du temps à se faire, donc si je réponds pas à vos commentaires, c'est qu'ils sont passés sans que j'ai eu une chance de les lire. C'est pas super pratique parfois YouTube. Bandits. Alors il y a des bandits. Et on peut pas genre contourner un peu, il y a pas des trucs à fouiller là. Ouais, t'inquiète. Je vais te suivre. Hop. Watch your step. Any crunch or crack will give you away. Oh. Oh, a tripwire. An excellent way to get rid of the blind and their devils. A tripwire. Ah, là, il y a des munitions. Je vais d'abord prendre ça, hein, tant qu'à faire. Des carreaux d'arbalète. Des trucs là derrière. Hop. C'est quoi ça? Je peux pas le prendre ça? C'est mieux. Oh purée. Ah oh, mais il m'avait dit appuyer sur eux, c'est exactement ce que je faisais. Ah. Oh. Du coup, je vais voir. Maître. Tu peux avancer, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué ou quoi? Oh, purée. Oh, lui, il s'est pris un beau pied de shot. Oh là là là, moi aussi, je commence à me faire tirer dessus. Hey, j'ai dit baisser. Je suis en train de mourir là, non? Alors. Je recharge un petit peu ma lampe, hein. Le mec en plein combat, il y a... Ah là là, bon. Et lui, il m'aide pas tellement, hein. Il reste bien là.
putain, ils sont résistants. Ah, hein. Oh, tout ce que je perds comme vie. Oh purée. Je suis vraiment une brêle au FPS, ça je vous préviens. J'ai quasiment plus de vie, plus de mun non plus. Oh là 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 là. C'est Métro 2033. J'essaie d'avancer, mais hein, ils sont bien planqués les mecs. Ah là là là. Eh oui, j'ai découvert que j'allais mourir de manière un peu pitoyable. Mais il meurt jamais, lui. J'ai fait aucune munition. Ah là, il est quand même mort, non? Ouais, mon dernier medikit. Il est pas mort. Ah là, headshot. Ah mais ils sont combien? Oh là là là, je suis mauvais. Ah, je dois récupérer un peu des munitions de je sais pas trop quoi. De ça, je pense. Non, de ça. Ouais, en même temps, 3, ça va pas me sauver la vie. Oula, 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 oula. Il y a quelqu'un là-bas, non? Mais ils sont combien, purée? J'ai bientôt plus de munitions. Alors, en plus, ce que j'ai, c'est un shotgun, donc... Attention, vous allez voir ma première mort. Et voilà. Ah ouais, mais non, je suis pas très bon au FPS. Alors, load to last checkpoint. On va essayer d'être un peu mieux. Hein. Déjà, j'ai pas compris ce machin de tripwire, mais... Alors là, mon personnage avance tout seul. Ok, là, c'est bon. Alors... Excellent way to get rid of the blind and their devils. You get what to do? Alors, carefully avoid the trap when locate the trap triggering mechanism and press. Ah, d'accord, j'avais mal lu en fait. Donc, ça ira peut-être mieux là, cette fois-ci. Je vais essayer de sauter par-dessus. Ouais! Ah voilà, j'ai désarmé le bidule. Bon, bah finalement, vous voyez qu'on s'en sort mieux que la prochaine fois. Et il va rester planqué là. Ah! Voilà, là on l'a eu discretos. J'ai pas fait mon... Ok, et c'est moi qui vais tech donner la patrouille tout seul. Ah bah voilà, il est plus bugué, il va pouvoir m'aider lui. Je vais éteindre la lampe pour être un peu plus discret.
L'ambiance du jeu, en tout cas, est vachement bien. C'est sur moi qu'on a tiré. Ah, je le tirais dans la main, là. Eh, remarquez que je progresse, quand même. Bah oui, vous perdez des gens, hein. Oh. We've got injured. Blin, we're losing men. Je suis pas mort deux fois, je suis mort qu'une seule fois. Ah, lui, il est mort. Ah, remarquez que je progresse quand même là. Hein, je suis un peu mieux que les premières fois. Je mets toujours pas mal de balles à côté. Mais on va appeler ça du système de suppression. Je vais récupérer Semun à lui. Ah, j'ai plus de munitions. Ils ont des blessés. Eh, ils sont résistants quand même, hein. Ils prennent pas mal de balles avant de mourir. Il est pas mort, lui. Mais c'est quoi ces mecs? Je le touche pas ou quoi? Ouais, mais ça c'est dans le scénario. Au tout début, c'est du... Non mais quand même quoi. Il fait en quoi ce mec? Eh, mais non, je viens de prendre un machin, il me tire dessus. Ah, mais non. Ah. Ah, je me suis trompé de... Bon, j'ai 28 balles pour finir cette embuscade. Non, je pense pas, je mettrai mes saves de SimCity 4 en téléchargement, ou peut-être quand... Et n'empêche que l'autre là, mon pote, il m'aide pas tellement hein, quand même. Mais d'où est-ce qu'il me tire dessus? Hein? Ah! Hop, je vais prendre un petit truc là parce que... Mais d'où est-ce qu'il tire? Purée! Je peux pas m'approcher. Ça va, confortable, tranquille, pépère? Bien installé? Ah. Hop, excusez-moi. Ouais, j'avais un problème. J'ai quitté le jeu par inadvertance. Faut que je m'approche parce que comme j'ai un shotgun, et ben j'arrive pas à les toucher. J'ai pas une portée suffisante. Mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan, très mauvais plan. Ah, ah. Eh, c'est dur ce jeu en fait. Je pense que c'était genre... Ah, je crois qu'il n'y a plus personne là-bas. Ok, je mets ma lampe. Désolé. Oh, mais c'est des snipers les mecs. Voilà, t'es content maintenant? Eh, hey, je crois que j'ai réussi, non? Oh! Ah! Attendez, excuse, ça fait quoi ça? Oh non, c'est pourri quand même. Je veux mon shotgun à nouveau. Ah, un peu bugué, non? Voilà. Alors. Tue au couteau. Ouais, enfin... On n'est pas sur Call of ici. Ouais, au couteau, je sais pas trop.
Je vais essayer, tiens. Faire mon couteau. Bon, en tout cas... ah, moi je tourne le dos à l'ennemi, j'ai peur de rien. Bah, faut que je pense à me couvrir. Ah, je crois que j'ai plus de... C'est le premier jeu qui est sorti DirectX 11, il bug à mort. Ouais, bah j'ai plein de petits freeze en DirectX 11, j'aurais dû mettre en DirectX 9, mais bah tant pis pour l'instant, sinon je dois relancer le jeu et tout, ça va être compliqué. J'aimerais bien trouver des petits medipacks. Non mais regardez ce mec, je lui ai mis mes 30 balles dans le corps quoi. Ah. J'en ai fait un tout à l'heure de kilo couteau, bon par derrière. Et là je vais encore mourir, hein, je vous préviens. Parce que j'ai... Voilà. alors mon jeu est plutôt fluide. C'est possible que ce soit le live. Attends, je vais regarder ça. Ouais, apparemment il y a eu un petit problème avec le live. Il y a eu des images qui ont dû sauter, mais... normalement ça devrait aller mieux maintenant. Ah, pensez à recharger aussi tes armes. Hein. J'ai toujours chaud que j'ai toujours pas de. Ouais, ils m'ont permis de mes packs. On va jamais passer cette phase de jeu, les coucous. Mais ah, regardez-moi, c'est pas possible. Ça compte pas. Ah oui, avec ma précision, c'est sûr qu'il faut beaucoup de balles pour tuer. Je vais rester, je vais faire le planquier. Je vais essayer d'être un peu plus précis, mais ouais, vous voyez pourquoi ma chaîne c'est des jeux de gestion et de stratégie et pas du FPS. Au moins vous comprenez pourquoi. Oula. Lui, je vais le faire au couteau, vous allez voir. Ah, un kilo couteau là, bah voilà. Bon certes, il s'était retourné, mais au départ il était pas retourné. Alors, je vais en profiter pour recharger toutes mes armes. En tout cas mon pote, il m'aide pas beaucoup hein. Je trouve qu'il est bien bien passif ce mec. Ah parce que moi je suis bon avec des gros fusils d'assaut, vous voyez. Qu'est-ce qui bug exactement? C'est la fluidité ou... C'est les gens qui disent qu'il y a des bugs, mais de mon côté, l'encodage et l'envoi, il est plutôt bon, donc... Enfin, plutôt, hein, c'est pas une science exacte. Ouais... Alors, Natural Selection, en fait, ce sera pour une autre fois, parce que le but, c'était de pouvoir jouer avec des abonnés. Le problème, c'est que on n'avait pas... j'ai pas eu assez de personnes qui pour jouer avec moi, en fait, donc voilà. Mais se reporter à une date ultérieure quand il y aura éventuellement plus de gens pour participer. Alors, notre affrontement sanglant avec les bandits est terminé. Nous avions espéré des mutants et des monstres. Combien encore de mes camarades humains aurais-je à tuer avant d'atteindre Polis? Ouais, bah j'aimerais bien qu'on travaille together, ouais, ce serait pas mal, justement. Plutôt que juste c'est moi qui tire, qui dépense toutes mes munitions, et toi qui te cache. Ah, il faut peut-être mettre le masque à gaz, non? Feras-tu de ce jeu quel jeu? Ce jeu-là sur le live, de quel jeu tu parles? Voilà, j'ai mis mon masque. Ça va, de temps en temps ça rame. Ouais, bah de temps en temps c'est la connexion qui est pas très...
très stable, je suis désolé, je fais vraiment avec ce que je veux. Ce que je peux. Et bah comme très souvent en France, j'ai pas une super connexion en upload. Donc il y a vraiment. Ça part super vite les munes. Hein. J'ai. Purée, je vais vraiment finir au couteau moi. Ah non, non, je vais faire d'autres jeux, bien évidemment. Je vais certainement jouer à... Je l'ai mis en masque, guys. Je vais certainement jouer à... comment ça s'appelle? Je vais faire un alien au couteau, moi, je suis un fou. Bon, j'ai plus de vie en même temps. certainement faire FTL, les Total War aussi, des jeux qui seront plus sur la chaîne. Alors là il y a apparemment des militaires. À part les bugs et les fails. Ouais, bah les bugs j'y peux rien, les fails. Si je joue vraiment pas un bug de FPS. Mais dans les prochains lives ce sera des jeux qui auront plus en rapport avec la chaîne, qui seront des jeux de stratégie, des choses comme ça. Et on doit qu'est-ce qu'on va faire? On doit attendre ou... Eh, celui-là, il m'a même pas touché, vous voyez. Bon, je vais laisser tirer mon copain un peu, parce qu'il a pas beaucoup tiré avant, donc... Y a pas de raison que c'est moi qui tire tout. Au couteau. Il y en a encore un là-haut. Ouais, tire. Tu veux 5 ennemis au couteau? Bah, ça fait déjà... 2 ou 4, selon les comptes. Visiblement, dans le dos, ça compte pas, mais... Je sais pas si je peux enlever mon masque là. Bon. Apparemment ça n'a pas fait de dégâts. On va tomber. J'ai plus de munitions. Pourquoi je vois trouble comme ça? Pourtant j'ai bien mon masque. Bon. Je sais pas par contre si... Ouais. Alors, au niveau de la rediff du live, je verrai ce que je peux faire. Je verrai s'il est possible de le rediffuser. Je le remettrai peut-être pas en entier. Hein, on verra bien. Je verrai bien selon la qualité au final de l'enregistrement. Parce que là... Bon, la solution ce serait d'enregistrer avec Fraps en même temps, mais bah, je vous dis avec mon PC, bah, il va vraiment avoir mal. Déjà là, il est bien chaud. Et déjà vous voyez qu'il y a des petits ralentissements, des petits bugs. Bon. Bon, on avance, là on commence pas à traîner, il y a des aliens partout. J'ai bientôt plus de flashlight moi en plus, donc hop, je vais la recharger un petit peu. Forcément, c'est ce moment-là qu'on décide pour m'attaquer, crétin d'alien. Bon, moi je cours. Hein. Wouah! Eh, ils évitent les pièges, c'est des aliens super intelligents. Wouah, c'est la fin. Market Station was just a little further. But Bourbon warned me that our path went through. La station des marchés était un peu plus loin, mais on allait passer par les catacombes perdues. Ça m'a pas l'air trop cool, les catacombes perdues. Suka! As if Nasalis is behind us were not enough. Now we're stuck in the fucking graveyard. Artyom, search the bodies. I'll try to get our asses out. Ouais, moi je veux des munes. Des munitions, des armes. C'est quoi ce flash? Mais on a toujours des flashs dans les jeux, pourquoi les flashs? On pourrait faire un podcast sur les flashs dans les jeux vidéo. Ok, c'était super utile, merci.
Ouais, l'ambiance est assez sympa. Ouais, alors là, ça devient bizarre. Ah, les lags, c'est possible. Hein, Ouais, le problème, c'est que vers 20h, ma connexion est beaucoup plus occupée, donc ça risque de beaucoup plus laguer. Mais effectivement, je verrai pendant les vacances, peut-être pas de Noël, mais de février, peut-être faire des choses le soir. Le problème, c'est qu'on est 4 chez moi sur ma connexion. Et oh, j'en ai marre de ces flashs. Et mais c'est quoi ce jeu? Donc après 20h c'est difficile parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de lag et choses comme ça. Donc bon, on verra. Peut-être à l'occasion j'en ferai. Là c'était surtout en live test hein, pour voir si ça fonctionnait bien. Alors je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens, je vois que le compte sur Facebook monte, c'est peut-être des gens qui me laissent des commentaires sur Facebook. Si c'est le cas, faut rejoindre la page YouTube parce que je pourrais pas lire les commentaires. Je vais juste regarder éventuellement quitter ça. Laissez-moi deux petites secondes. Hop. Est-ce que c'est des commentaires sur le live? Oui, donc les gens qui sont sur le live, éventuellement qui laissent des commentaires. Hop. Voilà, on va reprendre. Qui laissent des commentaires sur Facebook, je peux pas les lire, donc faut que vous veniez sur la page. Oui, mes vacances viennent de commencer, ouais. Aujourd'hui. Je sens que ça va être... Oh! Est-ce que je tente le diable aller jusque là-bas? Bon, allez, tant pis. Je vais mettre la lumière, sinon vous allez rien voir du tout. Oh, j'aimerais pas tomber là-dedans. And here is the market. Stay calm. Uncle Bourbon will get us in. Ouais, bah vu ce que t'as été utile depuis le début, j'espère bien que tu vas servir à quelque chose, parce que franchement, hein. Je sens qu'on va devoir genre le couvrir pendant que j'ouvre la porte, non? Allez, arrivez là. On va devoir en latter quelques-uns, je pense. Quand même. En gros, il y a des aliens qui veulent tous nous bouffer et on essaie de survivre, c'est la fin du monde. On est dans le métro russe et voilà. C'est métro 2033, le jeu. On va pas le faire en entier ce soir, hein. Ouah. Ah, plus de balles. Ah, plus de balles. Eh, hey, il est quand même au taquet, hein. Ah, plus de balles. Sauf qu'en visant la tête, ça va quand même mieux. Je vais mourir. Hop, au couteau. Oh là 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 là. Au shotgun, ça ira quand même certainement un peu mieux. Ah bah voilà, enfin de l'aide. Ah, il y en a qui a réfléchi à deux fois avant de venir. Voilà, hey, remarquez que petit à petit je commence à progresser, sauf que je vais bientôt plus avoir de balles du tout. Ouais, bah on est là. Ah bah au moins tu sers à quelque chose pour une fois. Look who the snob scared up! God damn it! We stepped in this shit now.
Hey, Mikhailovich, what a coincidence! Ah oui. I was just coming to visit you. You hear that, boys? Set out the good news. Hey. Urban, come to visit. Ah, je croyais qu'on arrivait à faire des marques avec eux. Ah si, on fait des petites marques là. Bon, c'est un peu bugué, mais... Bon, allez, on avance là. Mais oui, on sait. Ah, je vais en buter un. Ah, bah voilà. Franchement, je pense que je meurs, et comme j'ai réussi à survivre à l'assaut terrible... D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a de l'autorégène dedans? Parce que ça m'éviterait de bousiller tous mes trucs. Si les trucs de l'armée, c'est juste pour en cas d'urgence, ou si il y a vraiment une barre de vie, etc. dans le jeu. Attendez, je suis à AFK 2 petites minutes, je reviens dans 5 secondes. So, you all trapped. What are you getting this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little bit. You keep an eye on this one, huh? Voilà, il faisait un peu froid, donc j'ai été me chercher un pull. J'aurais dû en profiter pour voir un truc à bouffer, aussi j'ai faim. D'ailleurs... Il y a quand même l'épisode de SimCity hein, qui est sorti aujourd'hui malgré le live. Donc après coup, n'hésitez pas à aller le voir. Je fais ma propre pub sur ma propre chaîne. Ouais, fais ton mec viril là. Ouais, cool. Oh, pourquoi on va pas prendre ça? Ça a l'air cool. J'aimerais bien moi avoir ça. We're in deep shit. No way I can pay back those railcar guys. We'll be lucky if they let us shovel shit for the rest of our lives. Ouais, ouais, bon... Je vais ramasser de la merde à la pelle, pourquoi pas. Encore le même gamin qu'avant, regardez, il est flippant ce gamin, c'est le même. Il y a quand même pas mal de tombeaux, hein. C'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas où je dois aller en fait. Go to the weapon store. Ok. Je suppose que ça doit être genre tout au bout du bidule. C'est là, non? J'ai zéro rien du tout, moi j'ai zéro munitions. Ok, bah bye. Follow Bourbon. You Bourbon. Il est où Bourbon? Bourbon. Bourbon. De toute façon, j'ai plus de mun, moi. Alors, je peux rien acheter. Bourbon. Ah, il est là. Alors, il a fait un arrangement. Ouais, bah, j'essaie de traduire ce que je peux pour l'anglais. Bah, en même temps, la fin du monde ne veut rire qu'en pleurer, donc autant en rire en se faisant poursuivre par des aliens. En gros, on a fait un arrangement avec un mec, il a besoin de gens. Moi, j'aimerais bien qu'il donne des munes, surtout. Ouais, mais sur Steam, parfois, il n'y a pas le support multi. Donc là, faut le mettre en fait dans le menu du jeu. J'ai pas trouvé, pensé avant, donc voilà. Bon, il y a peut-être des patchs de traduction que j'ai pas mis ou des choses comme ça.
Are you sure, Commander? Take your positions! Cover me! Damn, I hate this so much. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas compris. Est-ce que je peux prendre ça? Moi, je veux ça. Oh! Mais pourquoi c'est toi qui l'as? Moi, j'ai plus. Regardez! 0, 0, 6. J'ai 6 munitions. Et de toute façon, comme l'argent, c'est des munitions, vous pouvez pas acheter des munitions. Ouais, non, mais là, ça va pas être genre être très pratique. Ça va pas être très pratique avec genre 2 munitions. Dead City, ça fait peur. Comme on est sorti vers les ruines de Moscou, j'ai senti de la peur et du chagrin, mais après toute une vie hors du sol, c'était aussi étrange. J'ai aussi vu l'étrange beauté des ciels noirs et des paysages gelés. Alors c'est ça la cité morte à Grenier Bourbon. Bienvenue à la maison Artyom. Artyom. Oui, certainement, je ferai un IRL pour les 1500. Je sais pas encore si 1500 ou 2000, ça dépend à quelle vitesse ça monte, parce que je peux pas préparer des... Oh, j'ai un petit couteau et un gros couteau. Ah, c'était un couteau de lancer. Bah là, il est lancé, en tout cas. Je peux le récupérer? Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais, bah moi, je veux bien des MO aussi, là. Ah, plein de MO. Plus c'est un mec qui va piller les pitules. C'est un pillard en gros. Alors là, apparemment, il y aurait des trucs à prendre. Ah, là, il y a une arme. Et des munitions, ouais, pas mal. Alors, chez moi, il neige pas. Eh, donne-les-moi tes munitions, je veux dire pas, tu sers à rien. Bon, je vais quand même prendre des armes, en plus, il faut les charger. Ah non, pas du tout, c'est même la première fois que je lance le jeu. Donc, ce qui explique mon niveau assez pitoyable. En plus d'être assez mauvais en FPS en général. Et n'empêche, quand vous désactivez l'anti-aliasing, bah... Ouais, on va se cacher. Cachons-nous. Alors, si on rencontre la bête... pourquoi moi j'ai pas un fusil d'assaut comme lui? J'aimerais bien un fusil d'assaut comme toi, là. Mais on se cache pendant combien de temps? Exactement. Les belles textures. Les beaux pixels. C'est beau. Ah. Ouais, moi je veux bien jumper là, mais faut que tu me catches. Je vais crever là. Ah, je vous jure, je vais mourir. La mort la plus débile de tout le jeu. C'est quoi ce capot que je passe à travers là? Non mais regardez ça. Ok. Le pire fail. Pas remonter j'aimerais bien remonter. Ah, on peut remonter par là. Ah, alors allez, ok. Non mais il est même pas capable de m'attraper correctement, le mec. Eh, hey, mais faut jouer ton masque à gaz, moi. Bah non. C'est marrant, j'entends ma respiration.
Mais ah, purée. Oh là là là. Vous êtes sur le live de Emily qui joue à un FPS. Et qui, comme vous le voyez, n'est pas... Mais... C'est pas possible, je vais réussir ce... saut là. Hein? Bon. Mais est-ce qu'on peut seulement réussir ce saut? Non? Je crois pas, hein, en fait. Bon. Virgule. J'habite en Belgique. En France, qu'est-ce que je raconte en Belgique? Non, 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 j'habite en France. Mais près de la Belgique. Bon, je vais passer par là. Je sais pas exactement par où il faut que je passe, mais apparemment le son, on pouvait pas le faire. Donc, alors que là, je peux aller. Et il y a même des trucs. Ah, headshot. Ça rame peut-être. C'est possible, mais il y a apparemment ça passe plutôt bien quand même. Hop. Ah, j'ai perdu une mine bêtement. Oups là, pardon. Non, j'habite pas en Normandie, non plus. Ah. Des fils pour le masque à gaz. Ouais, bah... j'y peux pas grand-chose, à vrai dire. Ouais. C'est peut-être ma connexion qui... Attendez, hein. État du flux bon. Ouais, bah écoutez... je peux... pas faire grand-chose, à vrai dire. J'espère juste que ça va se passer. Non, pas près de Paris non plus, j'habite dans le nord de la France, donc... voilà. J'aime pas trop ce but de respiration, là, ça me fait stresser. C'est pour ça que je fais des jeux qui font peur en live, comme ça je suis pas tout seul. Ah... C'est quoi ces bruits d'aliens là? Save, sauvegarde. Save life. Sauver la vie. Oh putain, ça fait flipper! Ah! Oh purée! C'est quoi ce jeu? Mais qu'est-ce qu'il m'a pris de faire un live là-dessus? Là, je flippe les amis. Ah! Et en plus, qu'est-ce qui lui prend de respirer comme un malade comme ça? Ouais, change le fil de ton masque. J'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Ah non, c'est par là. Je suis pas déjà passé par là? Oula, lui j'aime pas trop. Ah, je vous ai dit que je l'entrais au couteau. Hein. J'en ai fait un couteau, au moins, et un de face. Ah, y a plus de munitions dans ce machin.
Bon, là, il n'y a plus de munitions du tout. Comme ça, ça règle le problème. Mon héros est asthmatique, ouais, ça doit être ça. Très bien, regardez le nombre de balles que je me tape, quoi. Ah ! Purée, j'avais pas vu. Ah, il est un peu bugué en plus. Ah, des munitions, ça c'est pas mal. Ah, un kit de vie, c'est pas trop mal. Ok, t'as plus rien sur toi. Je vais rester avec le petit flingue. Ouais, dans le nord, ouais. Oh, j'aime pas ces passages-là. Il peut arrêter la mort. Mais c'est quoi ce truc? Je pensais que c'était un jeu sur la fin nucléaire. Moi, je pensais pas qu'il y avait des trucs mystiques et tout. Ah, putain. Mais un flash. Ah oui, c'est un flash qui montrait comment c'était avant. Même c'est plus vraiment comme ça, mon coco, maintenant. Qu'est-ce qui les attend? C'est marrant, les textures, elles sont plus jolies. Ouais, c'est parce que l'anti-aliasing, il est... Je vais essayer de les laisser passer, c'est pas tous les tuer, on peut certainement les laisser passer sans... Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Faire le croire un petit peu. Ah, j'aime pas cette ambiance. Ah, c'est quoi, c'est flou. Là-bas, ça a l'air d'être... J'entends des bruits de trucs humains. Oula, toi je t'aime pas trop, on va voir si on va pas passer... De côté par hasard. C'est toujours un peu fouillé, hein, voir s'il n'y a pas des munitions, des trucs comme ça. Ça, ça s'ouvre pas, non. Le jeu est tiré d'un livre. Ah ouais, quel livre? Ah, il est bien immune. Ah ouais, je sais qu'il y a même des gens qui habitent à 10 minutes de chez moi, ça se trouve, hein, c'est possible. Là, il y a des munitions. Oh purée, ça m'a fait peur ce truc. Ah! Mais ils sortent d'où là tous? Ah purée! Laissez-moi tranquille! Voilà, ça te fait plaisir? Mais ils viennent d'où, eux? Bon, je me barre d'ici, là. Ah! Bon, masque à gaz est presque cassé! Ah, purée! Moi, je me bats au couteau contre un alien. C'est même pas un alien, c'est un... Oh là là. Ouh. Je vois plus rien, là, au masque à gaz. C'est affreux. J'ai une munition de shotgun, vous vous rendez compte? Faut que je trouve un masque à gaz. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller... Apparemment si... Oh purée. Ah toi t'as un masque à gaz. Je peux pas prendre ton masque à gaz, non. Me dites pas qu'il faut que je tire là-dedans. Vous pensez que c'est une bonne idée? Ouais non ça sert à rien. Ok, alors apparemment c'est pas par là. Est-ce que je peux monter sur le camion? Non. J'ai pas l'impression. Non. Ouais, c'est des mutants, c'est ça, c'est pas...
C'est les gens de l'apocalypse nucléaire, quoi. Très bien, je peux sauter jusque là-bas. Ouais, allez, on va tenter. Ouh, ouais. Bon, ça sert à rien, apparemment, mais... Ah non, me dites pas que je suis coincé en bas, là. Je crois que là, je vais mourir. Ok, mais c'est par où maintenant qu'il faut aller? Oh, purée. Je vais mourir. Laisse-moi monter. Ouais, je suis mort. Ah, go to last checkpoint. Alors... Alors, c'est forcément, on trouve à l'endroit où il y a plein de super mutants... Alors, je vais d'abord aller récupérer les munitions qui étaient ici, voilà. Essayer de sortir éventuellement par là. Ouais, essayer de les éviter. À mon avis, c'est... Enfin, ça doit être par là, non? Là, je suis un peu perdu. Waouh. Je les ai évités. Mais j'ai pas l'impression que ça mène à grand chose ce truc. Oh, putain, je suis encore tombé en plus. Bon, je vais essayer d'explorer un petit peu autour. Voir si éventuellement il y aurait pas. Non, là on est bloqué donc. Alors, je suis désolé, là, je galère un peu, hein, je sais pas du tout où il faut aller. En même temps, je suis con, j'ai ma boussole, normalement, je sais pas si ça indique les objectifs, on va voir ça. Find an entrance to dry station behind the hotel. Alors, c'était pas du tout... si, je vois pas par où fallait passer autrement. Hein. Parce que là, il n'y avait pas d'autre passage, on est d'accord. Ouais, en plus ça me dit pas trop quoi que ce soit qui vaille. Donc la progression c'est forcément par là. Je vais éviter de... Oulala, on va éviter de se reprendre l'affrontement avec les 40... Ah purée. Oh. Ouais, alors. Si quelqu'un a la solution, la boussole indique le chemin. Ok. Apparemment, c'est par là. Bon. Je vais tenter le coup. Ah là là, forcément, j'ai plus de balles. Je vais mourir. Ah là, il y a un truc. Ah. Fais-moi les malins maintenant, hein. Ah ouais, j'ai besoin de ton truc là. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ah! Il m'a suivi jusque là, lui. Ah, bon. Voilà, bon, on prend... Mais ils viennent d'où, eux? Vous êtes censé être mort. Oh, il me saoule. Retourne à la surface. Je suis en train de bouffer des radiations là en plus. Alors.
Ouais, par là, c'est bien ce que je me disais. Oula! On va essayer d'être prudent pour changer. Ouais, j'ai pas voulu tenter le diable en tripwire, ok. Voilà, je l'ai désactivé. Oula! Un peu, je me faisais avoir. Là, il y avait quelque chose. Ah, ça fait tomber ça. Bon, c'est pas trop grave. Mais ils ont mis des pièges partout, les gens là. Oh, tu devrais. Ouais, non, mais là, c'était pour le fun, disons. Parce que c'était la fin du monde et je voulais un jeu qui soit en accord avec la thématique. Oh purée. Oh mon Dieu. Alléluia. Ah, vous vous rendez compte tout ce qu'on a trouvé là? Mais c'est la mine d'or ici. Je peux pas prendre ça, apparemment j'ai plus de place ou un truc comme ça. On va recharger les armes. Ok. Bah j'ai pas trouvé tant de munitions que ça, bah. Je pensais. Je sais pas pourquoi ça je peux pas la récupérer. Bon tant pis. On va continuer du coup. Et apparemment il n'y a plus rien. Je vais éviter de me prendre les pièges au retour, ce serait bête. Là, j'entends des bruits. Ah! Checkpoint. Ah! Bah. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire péter une centrale nucléaire, ma centrale nucléaire dans les Sims 4, dans SimCity 4, ouais, c'est vrai. Après, bon, j'aurais dû refaire ma vie, ça m'aurait un peu embêté. Mais oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, j'aime bien trouver des gens morts comme ça, qui me donnent des munitions. Bon, ma lampe apparemment, elle va bien. Ouais, un jour, pourquoi pas, quand j'en aurai marre de ma vie, je ferai ça. Bah, j'aurais pas aimé être à sa place, lui. Alors, en tout cas, ayant joué à ça, on sera préparé pour la fin du monde. C'est par là dont je viens, non? Je pense, ouais. On sera préparé pour la fin du monde. Tous ensemble. J'aime pas trop là me prendre les trucs de compteur GGR. Allez. C'est ça que j'aime pas dans les FPS, c'est toujours difficile de sauter. Alors. C'était quoi ce méga bug qui m'a fait bouger, mais genre de 5 mètres C'est qui lui? Ah, c'est mon pote. Bah oui, c'est... on va quand même se sortir. Allez, allez, allez. Et là, t'attends juste que je passe devant, je suppose. Ah, ah, mon mec. C'est toi qui passe devant, c'est toi qui te prend les trucs si jamais ça plante. Ah, lui, je l'aime pas trop. Je suppose qu'on va devoir l'affronter, non? C'est genre le boss de fin, un truc du genre, non? Ah, qu'est-ce que je disais?
Genre, s'il nous a pas vu, c'est pas possible. Hein. Ils disent vraiment qu'il est aveugle. Ouais, allez, on va les sauver. Ok, alors moi je suis vraiment, on va les sauver et lui on va reculer. Ah oui, on va reculer, ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et il gaspille plus de mules que moi. Hein. Ah, headshot. Ah là, j'ai plein de balles. Tirer en rafale courte. Hein? Pas tirer comme ça. Là, on dirait un noob. T'es un noob. Ah, purée. Si on nous attaque par derrière, en plus, on va pas s'en sortir. Hein. Oh, ils sont combien? Allez! Et lui, il va pas s'en sortir, je suis sûr. Ah, si. Bon, parce que la surface est plus vivable, donc en fait, c'est des masses pour se protéger des... As we went on the ground, it struck me that my city was a foreign and hostile place. Pour se protéger, pour rester en vie, quoi. Comme on s'enfonçait dans les sous-sols, j'ai été frappé que la cité était maintenant une place... Ah ! Oups ! J'ai failli dégommer mon micro. Une place, un endroit étranger et hostile. Je me sentais en sécurité dans le métro, dans l'obscurité du métro quand Bourbon a dit qu'il avait des amis à Dry Station. Listen carefully. The bandits control this station. We need to move quietly and take a look around. If we don't see my friends, we get the hell out of here. Alors, il a dit qu'il y a des bandits dans la station et il faut qu'il fasse gaffe, faut qu'on attende de voir ses amis, etc. On peut enlever notre masque peut-être, non? Ouais, allez, enlève ton masque. Shit, I can't fit. Okay, you just stay here. Moi, je vais enlever mon masque. Laisse-moi enlever mon masque. First in, we're good. Hold it. Who are you? Oh là là, il va se faire tuer. On va devoir le délivrer à tous les coups. Vous parlez combien? Look who's talking. Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course. Then who's the boss it is? Le défaut du jeu, c'est quand même les sons. Autant le son des armes que le son des... sont pas... Oui, oui, la lampe. Mais là, je peux rien faire, en fait. C'est de la cinématique, donc je peux rien faire. Mais oui, je pense à la lampe dans les endroits sombres, il n'y a pas de souci. See if he's forgetting something. I don't see his stuff around. Yeah. C'est moi, c'est stuff. Ah, c'est pas mal, des mines et tout. Je veux récupérer sa calache, moi. Yeah. There's nothing but the rats here. Okay, let's go then. Allez, on va... tuer de l'humain maintenant. Alors, j'oublie pas ma lampe, j'enlève mon masque. Ça sert un peu à rien. Alors, je prends des munitions. Oh, ça m'a l'air mieux, ça. Ouais, il m'a l'air mieux, lui. Je vais essayer de me la jouer discret, tiens. Essayez, j'ai bien dit. Hein.
Putain. Non, je pense pas qu'ils vont le buter. Je crois qu'il a eu le temps de tirer quand même. Ah, voilà. Bah, je crois que ma discrétion est tombée à l'eau. Ça va arriver par là. Ah, il n'y a pas d'armes, c'est pas chargé de base, ouais. Grenata, grenata. J'en ai tué un. Ah mon dieu. Bon, on va recommencer. La grenade, en fait, elle était pour moi. Bêtement. Bon, je ferai certainement pas d'autres FPS hein, sur la chaîne, je vous préviens. Après, ce sera, on restera sur les jeux de stratégie. Là, c'était vraiment pour coller à l'ambiance un petit peu fin du monde de la journée, mais... ça commence bien. Je commence par... on va faire ça avec un peu plus de... On va prendre un peu plus de temps. Je dis on va prendre un peu plus de temps. Évidemment, j'ai fait de la merde. Ah, je crois que j'ai pas pris son stuff en plus là-haut. Ouais, je vais me suicider encore une fois. Ça marche bien en fait de rusher comme un malade. Ah, est-ce que je veux récupérer son fusil là-haut? Je commence à fatiguer moi en plus. J'ai pas l'habitude de jouer à des jeux aussi qui demandent autant de concentration. Je vais attendre qu'il vienne, qu'il me tourne le dos. Le truc m'est carrément pas discret. Ah, j'ai des grenades comme ça. Ça sera pas mal. C'est 5, je suppose. Ouais. Eh, je me suis pas repéré encore. Pour l'instant. Ah, là, je crois que j'ai... Oh, purée. Hop, alors je me mets à couvert par là. Mais il est où ce qui me tire dessus? J'ai oublié la lampe. Excusez-moi. Ah! J'ai vu le... Ah, fais-moi les malins tout de suite, hein. Oh, vous avez vu ce tir? Ce tir de la mort? Je suis concentré. Oh purée, il tire d'où lui? D'où tu tires? De là? Oula, 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 on va se calmer les mecs.
On va se calmer, croyez-moi. Oui, j'ai... Ah non, je l'ai pas enlevé, effectivement. Merci. Mais ils ont quoi, ces mecs? C'est des malades! Ils sont blindés, les mecs! Napoléon Total War, ouais, je les ai tous, ces Total War. Je vais faire des lives dessus. Il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de ça, justement. Il y en a qui va avoir une belle surprise. Où est-ce que t'es? Bon, je vais pas rester là. Ouah, ça tire de là-haut. J'ai plus de balles. J'ai passé par là. J'essaie de nettoyer petit à petit, hein. Là il y en a un. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient une armure. Ça a pas de portée, ça ne change pas l'impression que je le touche. J'aimerais bien prendre ça, moi. Ah bah voilà, un fusil d'assaut. Comme j'aime bien. Ils sont barricadés, les mecs, mais ils ont peur de rien, quoi. Je crois que je l'ai touché là. Ouais, il est mort. Ouais, ça se passe bien. Ah! Je crois qu'il y a un truc qui s'est déclenché là, non? Non, apparemment pas. Purée. Moi je l'ai. Alors là je suis concentré, je vais récupérer des bidules. Enfin des bidules, des munitions, des trucs comme ça. Et pas mourir. Je peux pas passer par là? Apparemment non. Voilà, 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 voilà. Je te dévalise. Ouh, alors là, il y a quelqu'un. Pas pour longtemps. Ah! Ah, ça fait bien du shotgun comme ça, là, hein, bon. Oui, j'ai certainement... Un problème, c'est que c'est comme beaucoup de jeux, un jeu qui demande pas mal de temps d'apprentissage, etc. Et je ne m'estime pas assez bien pour faire des vidéos là-dessus, en fait. Vous voyez déjà comment je galère avec les FPS. Alors imaginez sur un... Ok, il y a eu des morts là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il me tire dessus là? D'où est-ce que tu tires? Il tire d'au-dessus, je crois, non? Ouais, il tire de là.
En fait, il y a de la régène, hein, j'ai l'impression. Ok, c'est vide. Ouais, balance toutes tes grenades. Je suis plus là, donc. Hein, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas juste te cramer tout seul. Putain, tout ce que je bouffe comme mune pour tuer des pauvres mecs, quoi. Ça, c'est les hommes, vous voyez. C'est la fin du monde, on pourrait s'allier. Non, 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 on va se tataner la gueule plutôt pour 3 munitions. Ouais, tu devrais pas mettre ton Skype, si tu peux supprimer ton commentaire, envoie-le en commentaire privé, parce qu'après les commentaires risquent de rester en ligne et tu vas recevoir 25 appels. Oh non! Oh. J'espère que je reprends pas. Ah, ça va, je reprends là. Donc c'est pas trop grave. Il y avait un point de sauvegarde. Hop là. Ah oui, d'accord, là c'est différent. Hop là, on va se reculer. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est un medikit, ça c'est pas mal. Oh purée! Ah. Oh, alors, je commence à fatiguer un petit peu. Comme j'ai pas l'habitude des FPS. Lui, il est mort. Une bonne chose de faite. Hop, je vais recharger mon fusil à pompe. Ouah, ça c'est du shot réflexe. Allez, monte ta tête. Viens monter ta tête là. Oh, dans les jambes. Ah, la grenade. On va éviter de se la manger. Un jour peut-être, j'ai pas de projet pour l'instant, le live c'est vraiment un test et puis on verra si c'est concluant. Si j'en ferai seulement d'autres, mais pour l'instant. Ah purée. Pff, bon, je vais passer par ailleurs parce qu'il commence à me saouler. Je vais faire le tour. Hop là. Tiens, prends ça. Ah, en tout cas, il s'est bien rangé. Il en a fallu des munitions pour l'abattre. Bon, là, ça va. Je commence à nettoyer un petit peu le coin. Ah ouais, là, voilà. Je vois où je suis. Alors. Comment ça, freeze? Je vais pas freezer du tout. Ah ah! Alors. Ah purée! Je prends un medipack quand même. Ah, j'ai pas tellement progressé. Vous savez quoi, on va pas s'emmerder. Tiens, tu vas prendre ça. Flank him.
Mais ils sont blindés ces mecs, c'est pas possible. Oh là là là, je l'ai jamais basé. Je vais jamais passer. Non, tu ne m'auras pas avec ta vieille tactique. Allez, monte ta tête, toi. Voilà. Bon, au moins, on reste sur un moment où il y a de l'action, mais... quand je vous ai dit que j'étais pas très très bon, c'était effectivement la vérité. Oh, c'était quoi ce machin? Non mais j'en ai marre de mourir moi. Faut arrêter un petit peu là. Ça va bien, oui. Bêtise. Bon là, on est en mode colère. En mode... Emigrator, si je puis me permettre. Ouais, bah... Hein. Bah lui, il est pas blindé, hein. Si j'étais dans sa tête, voilà. Hein. Et le mec, s'il vient de se prendre une balle dans la tête, il va encore te faire... Ok, hein. Ça m'a pas l'air très très logique, leur truc. Ah ouais, bien sûr. Hop là, hop là, hop là, je récupère un peu ce qui traîne. Toi, tu vas mourir. Je crois qu'il est mort, non? Ah oui, il fait... Oh, il est bien mort, bien bugué dans le... Il bougera plus, en tout cas. Ah, c'est quoi cette lumière là? Ah, c'est sa lumière à lui. Je peux te tirer dedans ou pas? Ouais, voilà. On sera mieux sans lumière. Oula, 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 on se calme les mecs. On se calme. Ils tirent dans tous les sens, hein, ces mecs. Voilà. Oh, je crois que c'est dans la tête, non? Je vais prendre un petit medipack là. Bon, bon, bon. Bah, en plus, je donne ma. Ouais, non, mais j'ai du mal à voir les medipacks, les machins. Ah, j'ai pas rechargé. Recharge-toi. Hop, 2, 3, 4. Je vais le mettre un peu à couvert quand même. Ok, lui il est mort. Eh, il tire quand même plutôt bien pour des... pour de l'intelligence artificielle. Oh, c'était pas cette arme que je voulais avoir. Mais eh, c'est assez puissant quand vous tirez comme ça en rafale. Les bruits à l'intérieur sont bien faits, les bruits de résonance, etc. C'est pas mal baffé. C'est pas mal fait. Ah là là, là. Bon, passer par en haut, c'est pas le meilleur moyen, visiblement. Lui, c'est la troisième fois qu'il meurt. Lui. Ah non, je vais pas finir le jeu en live, je vais encore jouer une petite heure et puis après on va s'arrêter parce que là, je peux vous dire je suis crevé. Je crois que j'arrête pas de mourir aussi parce que j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais.
comme je suis pas habitué en plus, enfin, les FPS, c'est pas trop mon truc. Bon, on sait ce qu'on va faire, on va repasser par là où on était passé, ça marchait plutôt bien la première fois. Je vais essayer de me débarrasser des mecs par là-haut. Non, je suis au niveau normal, c'est ça le pire. Ouais, il me semblait que t'étais pas exactement mort. Voilà, au corps à corps. Hop, je vais prendre tes machins. Voilà. Ok, alors là c'est bon. Il y en a encore un ici. Voilà. Alors après là-bas, je pourrais pas passer par en haut parce qu'ils ont une trop bonne vue de. J'arrive pas à me courir en fait. Du coup, ça va pas le faire. Ouais, donc je vais repasser par en bas. Ce sera mieux. Un FPS que j'aime beaucoup, c'est BioShock. Je l'avais fait sur 360 à l'époque. Et j'avais pas mal aimé dans une ambiance aussi un peu pareille, un peu glauque comme ça. Ça touche là ou ça touche pas? J'ai pas l'impression que ça touche. Hein. Hop, on va régénérer un petit peu. Ah, vous allez moins rigoler avec ça. Ah, lui, il a dit income et après, il s'est mangé ma dynamite dans. Ah, comment qu'on passe, là? On se baisse, ouais, c'est ça. Oh, il y a plein d'armes, là. Ah oui, non, mais si je me cache pas... Lui, il est mort. Oui, j'ai Crusader Kings 2. Oui, 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 oui. Mais ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Ah, oh, purée. T'étais pas mort il y a 2 minutes, toi? En tout cas, j'aime bien cette arme. Lui, il est là-bas. Hop là. Hop là, on avance doucement. Il est mort lui. Allez, meurs. Il y en a encore un à l'étage, je l'ai vu. Je l'ai, Crusader Kings 2, je l'ai, je l'ai. C'est difficile parfois de lire les commentaires, c'est pas la peine de s'énerver sur le live. C'est vraiment difficile parfois de lire les commentaires, de jouer en même temps et d'essayer de pas mourir. Donc... Je vais régénérer un petit peu. Hein. C'est la triche des FPS modernes. J'en profitais pour recharger un peu mes armes. Au moins, là, moi qui me plaisait de pas avoir de munitions, j'ai fait le plein. Hein. Alors, hop, apparemment, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, c'est normal. C'est bien d'avoir un système, enfin, possible d'avoir un système, parce que je ne voyais pas forcément, mais... Alors, ploum... On s'en sort plutôt bien. Et il n'y a plus de musique, il n'y a plus de son du tout.
J'éteins toutes les lumières. Ça, ça me dit pas trop, par exemple. Ouais, non. Je pense qu'il faut que je descende, là, parce que je vois pas d'autres passages. À moins que par là, sur la porte. Ah, oui. Mais non. Et voilà. Ah bah il pouvait pas tirer avant lui. Non mais quel débile. Il a eu le pistolet au moins 3 heures avant dans les mains et il pouvait pas tirer. Ah là là là, c'est pas possible. You can keep your weapon down, young man. Ok. T'es qui toi? He's sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Dandy's Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I prefer to avoid more bloodshed. Ouais, moi aussi. C'était assez marrant. Is making me rheumatic. If you'd rather share your friend's fate, then by all means. Non, non, je vais venir avec toi. Oh, il a une arbalète et tout. Hey, il a l'air super équipé, le mec. Ghost. Alors, l'apparition de Khan m'a pris par surprise, cependant, alors que je combattais les bandits, j'ai senti quelqu'un m'aider. Moi, j'ai pas vraiment senti quelqu'un m'aider, mais bon. Depuis les ombres, Khan m'a assuré que le sort de Bourbon n'était pas lié au mien, mais je regrette sa mort. Bon, bah... Nobody ever walks here. Neither people nor beasts. Il n'y a personne. Alors selon les... Normalement c'est entre 21h30 et minuit et demi. Alors selon certains sur les lives, ce serait 21h30. Et moi j'ai lu minuit et demi. Donc ça dépend des versions. They know we are here. Come closer to the tubes and listen. Just don't stay for too long. Et on entend des gens qui rient. Some say it's the voice of the tunnels. Others consider it to be a form of psychic influence. Ah ah. Alors il y en a qui disent que ça, ce qu'on a entendu, les petits rires d'enfants, c'est les voix d'enfants. D'autres qui disent que c'est le silence. Enfin le, je sais pas quoi là. Lui, il est bizarre quand même. Je connais Snell et il me connaît. Be careful here. This is a dangerous tunnel. Lui il est mort. Please keep your light on, my friend, or else we might stay here forever. T'inquiète pas, de toute façon mes abonnés vont rager si je jette ma lampe, donc je vais la laisser allumer. Ah, encore un flash. Free, we need to go around it. Don't touch the silhouettes. Quelle silhouette? Ah oui, regardez là. Oh. C'est marrant. Enfin non, pas tellement en fait, c'est pas tellement marrant, mais... C'est étrange. Concentrate. Concentrate. On dirait Maître Yoda. Et toi t'as pas d'arme, t'es tranquille le mec. Let's go. Je vais profiter pour recharger un peu mes trucs. Ah bah tout est rechargé, c'est plutôt bien. Avance. Je suis content d'avoir trouvé cette calache en tout cas. Ça fait plaisir. On reste là à se regarder comme deux ronds de flanc. C'est bizarre ce truc. Les meilleurs du fin du monde toutes les semaines. C'est la 180e fois qu'on nous prédit la fin du monde. C'est quand même un truc de fou, hein. 183 fois que le monde aurait dû terminer, donc je pense qu'on est assez tranquille ce soir. C'est quand même assez flippant ce jeu, hein.
Alors, ce que je ferais peut-être, hein, parce que là, je vais terminer le live d'ici une petite demi-heure, j'essaierai de mettre en ligne la retransmission, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ce sera en qualité 360p, donc ce sera la même qualité que le live, donc voilà, ce sera pas forcément facile à regarder. Enfin, pour ceux qui voulaient revoir ou ceux qui n'auront pas pu être là, qui n'auront pas vu le début, machin, etc. Je vais la mettre en ligne demain ou après-demain. Ça risque de prendre du temps parce que ça va quand même être un gros fichier. Parce que le problème c'est que enfin, là, avec les réglages du serveur, c'était pas possible de faire la backup directement sur YouTube. Et avec ma connexion, c'était trop difficile. Donc, vaut mieux que je le réupload ensuite. Mais comme je vous dis, je n'ai pas capturé avec Fraps, mais avec le logiciel qui permet de streamer en live. Donc la qualité sera un peu moindre, enfin même nettement moindre, ce sera pas du tout de la HD, ce sera du 360p et je pourrais pas faire mieux. Mais ça, c'est juste la rediffusion du live pour ceux qui l'auront vu. Et puis, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement garder cette partie pour d'autres lives, à d'autres moments. Je pourrais continuer, je sais pas combien de temps le jeu est censé durer au départ, mais ça peut être sympathique pour d'autres lives. Si vous, ça vous plaît, en tout cas, je ferai certainement ça, j'y jouerai, je garderai la fin de la progression, la fin de... La fin du live, j'irai pas plus loin que la fin du live. Et c'est bizarre les trucs, hein. Oh mon dieu, ça me fait flipper ce truc. Oui, je vais faire des vidéos avec mes abonnés. Goyun, si tu veux les informations et tout ce qui est truc avec les abonnés, etc., il y a une playlist sur la chaîne qui s'appelle Informations et chaînes et il y a toutes les infos concernant la chaîne, les projets, etc. Donc si tu veux des infos là-dessus, je t'invite à te rendre sur cette playlist. Il y a toutes les infos régulièrement. D'ailleurs, je pose des vidéos avec des infos concernant les projets avec les abonnés, concernant les projets live, etc. Donc voilà, tu trouveras toutes les infos que tu veux là-bas. It appears that the devastation we brought upon ourselves was complete. Heaven, hell and purgatory were atomized as well. So when a soul leaves the body, it has nowhere to go and must remain here. In the metro. A harsh but not undeserved atonement for our sins. J'ai plus de lampe, c'est pour ça que je me disais on voit plus rien. Allez, le clic, le méga clic, le clic de la mort. Voilà. Ah oui, il y a une région qui est prévue, hein, avec les abonnés, ce sera mis en place quand le jeu sortira. Mais il y a toutes les infos, encore une fois, dans la playlist, sur les informations chaînes. Après, il y aura des sélections, avec les abonnés, etc. Je pourrais pas faire une région pour tous les abonnés. Évidemment, puisque c'est 16 joueurs, donc ce sera 15, il y aura 15 abonnés qui joueront avec moi sur mon région. Et peut-être qu'après, on fera des roulements. C'est quelqu'un qui veut abandonner sa place. Oula, putain, ça fait flipper ce truc. Il laissera sa place à un autre abonné. Concentrate. Concentrate. Bon, ils nous ouvrent la porte, là, ils nous font le super effet qui va faire flipper de la mort. Allez! Walking Dead. Bah voilà! C'est pas si pire. Y'a quoi, là? Bah oui, ça se voit, hein. On voit que globalement, c'est quand même pas la super joie de vivre. Ben bon, il faut pas être devin pour deviner que c'est pas trop cool. Il y a des champignons nucléaires partout.
Il y a des aliens, enfin pas des aliens, non. Je vois que des aliens, c'est même pas des aliens. Des humains mutants un peu partout. Mais sinon, oui, c'est sûr que tout va normalement. Oh, j'ai pas lu le texte, bon, c'est pas grave. J'ai essayé de. On va peut-être terminer juste ce passage et après on quittera. Enfin, je vais vous laisser. Parce que moi, il faut quand même que j'aille manger un petit peu, hein, me le restaurer. Je suis un homme, pas une machine à faire des vidéos. Et des lives et ce genre de choses. Je vais You prendre can ma feel it calache. coming, I see. That's a rare talent. You should use it. Don't move now. Ok, je ne bouge plus. L'ambiance, en tout cas, est assez sympa. Je pense que si j'étais tout seul, j'aurais bien flippé, quand même. Là, le fait de parler avec vous, bah. Don't move. Ouais, mais on va pas ne pas bouger pendant 3 plombes, quand même, si. Okay. C'est carrément psyché ce truc. Ah non, après je reviendrai pas parce que ma connexion elle va être difficile. Puis là ça fait 3 heures que je joue et j'avais que je suis totalement vanné. Donc je préfère super fatigant. Essayez déjà une fois pour vous de jouer en parlant en même temps. Et c'est ultra fatigant. Donc là je préfère pouvoir vous fournir du bon jeu, etc., etc. Wicked phenomenon, yes. But you know, there's Avec nothing des you can bons. do. Oui, je referai des lives. Je reprendrai certainement la partie. Les lives, c'est sûr. Et je reprendrai certainement la partie au même point pour d'autres lives. Si ça vous a plu, en tout cas. Pour d'autres lives comme ça sur. Sur Métro, on reprendrait au même endroit. Oh! Mais après ouais non je vais faire autre chose parce que là j'ai la tête là c'est bah je crois que c'est le pour appeler ça le troisième niveau si on veut vraiment au début j'ai commencé le jeu du début du tout début tout début tout début toute façon j'avais indiqué que le live serait de 17h à 20h et après j'ai d'autres choses à faire je peux pas continuer à streamer. C'est puissant ces armes. Get ready. The beasts come again. The beasts come again. Finalement, il y a quand même des aliens de nature à sélection qui grimpent sur les murs. Bah, en fait, t'as pas besoin, je sers à rien moi. Ça m'a l'air pas très cool ça, ces gros cris là qui arrivent vers nous. Ok. Parce que Natural Selection 2, bah, c'était ce qu'il était prévu au départ, mais comme je l'ai dit, j'aimerais faire ça avec les abonnés. Le problème, c'est que j'avais lancé une vidéo, etc., avec le truc sur Steam pour faire ça ce soir, avec justement les abonnés qui joueraient avec moi sur une partie privée. There's no need to interfere. Etc. Mais j'ai eu que 5 confirmations de jeu. Et donc, 5 confirmations, bah, c'était pas possible. Des screamers, bah, pour l'instant, pas tellement. C'est surtout l'ambiance qui est un So peu that's how it goes. effrayante. Arrive at J'ai eu un succès en plus. Super cool. Qui est un peu effrayante, mais sinon, voilà. Natural Selection 2, bah écoutez, dès que y a assez de personnes qui peuvent se mobiliser pour se retrouver, il faut au moins 12 personnes, quoi. Et ben, au moins 11 personnes, 11 abonnés, et croyez-moi, c'est difficile à rassembler. Ouais. Faut que tu me laisses passer aussi, Coco, si tu veux que j'aille au réel carré. Ok. Ah oui, il faut qu'il range son arme. Tranquille, pépère. Voilà.
Ah bon, je suis vanné moi. Comment tu connais ma mission, toi? Tu m'as l'air louche, hein. Alors, les choses se dégagent pas des vidéos plus tard. Bah, pour l'instant, il y a une vidéo par jour sur la chaîne. Pour l'instant, je vais rester avec ce que je fais. Je sais pas. Je vais certainement essayer de terminer celui-là sur d'autres lives. Les FPS sont pas vraiment... Je joue sur PC. Je joue pas sur aucune console. Alors oui, je vais répondre à une question à la fois. Voilà, alors je vais arrêter le live ici. Parce que voilà, parce que faut pouvoir que je reprenne la prochaine fois. Et là, je suis vraiment super crevé. Donc, ça fait 2h30 que je joue au live. Donc, je vais répondre à vos différentes questions maintenant. Dans l'ordre. Alors, puissant max, je joue sur quelle console? Je joue plus sur console. J'ai acheté un PC gamer au début d'année. Donc, avant, je jouais sur 360. J'ai encore gardé Red Dead Redemption et Top Spin 4 sur la console, parce que c'est des jeux qu'on ne trouve pas sur PC. Sinon, j'ai racheté entièrement ma bibliothèque de jeux sur PC. Un peu comme Stalker, j'ai jamais joué à Stalker, donc je peux pas vraiment comparer. D'autres FPS Survival Horror, alors peut-être, après tout, c'est pas vraiment l'option de la chaîne au départ. J'ai fait ce live-là pour coller au thème 21 décembre, etc. Comment dire, 21 décembre 2012, fin du monde, etc. Donc voilà. Minecraft, il y a une série sur Minecraft qui était sur la chaîne Chronique de Val de Brume que je vais peut-être reprendre au terme d'un épisode par mois sous le même format des chroniques. Tu peux aller voir sur la chaîne la playlist Chronique de Val de Brume. Voilà, ensuite, il y avait une autre question, non? Les jeux que je vais faire dans le futur, alors certainement d'autres jeux Total War, SimCity 5 quand il sortira, et puis après on verra, j'ai pas tout prévu pour l'instant, mais pour l'instant je fais déjà pas mal de vidéos sur la chaîne, ces deux dernières semaines, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une vidéo tous les jours sur la chaîne, lundi SimCity, mardi et jeudi FTL, mercredi sport, vendredi SimCity, samedi Shogun 2 avec Wither, et d'ailleurs je sais pas s'il est toujours là, mais bonjour à, enfin au revoir à lui s'il est toujours là, dimanche From Total War. Je joue à Civilization 5 depuis très peu, je suis en train de prendre en main le jeu, de faire une première partie perso pour pouvoir le prendre en main et pour pouvoir tout simplement vous proposer éventuellement des vidéos. Voilà, Crusader Kings 2, faudrait que j'y rejoue parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Il y a eu pas mal de mises à jour qui sont faites depuis que j'ai pas joué, donc voilà. Mais pour l'instant, je reste au jeu avec, que je présente sur la chaîne pour l'instant, parce qu'apparemment ça vous plaît. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions que vous voulez me poser. J'ai encore 10 minutes, allez. Jeudi, c'est FTL. Faster Than Light, c'est sorti jeudi et mardi. Il y a peut-être des choses que vous avez pas vues, hein, puisque comment dire, la YouTube a changé d'interface, donc c'est vrai que c'est difficile. Attendez, on va faire un truc pour terminer. Vous allez voir. Voilà. Alors, je recommence. Voilà, je vais me mettre en plein écran. Civilization 5, oui. Je suis en train de voir les choses. J'ai encore la Xbox, oui, mais je suis plus du tout présent. J'y joue une fois tous les 36 mois, puisqu'il me reste que deux jeux. Et je vais certainement... ouais, mais je porte des lentilles.
Habituellement, c'est parce que là j'ai les yeux un peu fatigués, donc j'ai mis mes lunettes, mais d'habitude je porte des lentilles. Homeworld 2, je connais pas du tout. Écoutez, j'irai voir ça. D'ailleurs, je peux aller voir ça tout de suite, du coup. Mais pourquoi pas, après, faut que je vois. Je vais essayer de vous présenter pour les comment ça s'appelle? Les 1500 ou les 2000 abonnés, une vidéo sur mon premier jeu PC. Donc j'espère que ça vous plaira. Il faut juste que je trouve encore un moyen de l'enregistrer, ce qui est pas facile parce qu'il est vraiment super vieux. Bon, on verra bien, mais là je suis en train de voir pour essayer de l'enregistrer. Et pouvoir vous présenter ça pour les. Je sais pas à combien d'abonnés on est aujourd'hui, mais certainement pour les 2000, parce que j'aurais pas le temps de le faire pour les 1500. Hop. Je vais essayer de me éviter de me passer moi-même. Ouais, pour les 1500, ça va être un peu chaud, mais voilà. Je sais pas s'il y a éventuellement d'autres interrogations cruciales, sur la chaîne, etc. Kozak, ouais, il faudrait que j'essaie. C'est des problèmes des vieux jeux, c'est que souvent compliqué à faire tourner sur les machines récentes, notamment les machines qui ont des processeurs quad-core, parce que il y a, bah déjà il y a les problèmes de résolution et c'est pas facile de présenter des vidéos avec des résolutions 4 tiers parce que ça fait des bandes noires, etc. Donc, bah, après il y a toujours moyen de s'en sortir, mettre des images au fond, etc. Donc ça c'est toujours possible. Bon, bah ça c'est bien. Je regarderai, ouais. De toute façon, là pour l'instant, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je vais faire après, parce que pour l'instant, j'ai vraiment la tête dans les séries que je fais maintenant pour essayer de proposer les choses les plus complètes possibles et de jouer le mieux possible. C'est pas toujours facile, mais voilà. Et puis après, bah, évidemment, il y a SimCity 4 qui va sortir. Non, j'ai pas joué à Duke Nukem 3D. Quand j'avais la PS1, je jouais à Toy Story, je jouais à Spyro, j'ai joué à Croc 2, j'ai joué à plein de jeux, mais non, pas Duke Nukem. Voilà, un petit peu. Donc ouais, je vais rester sur les séries qui sont pour l'instant là, parce que déjà bon, FTL, je suis pas sûr que je vais la continuer, enfin je peux pas la continuer à vrai dire, parce que j'ai perdu la sauvegarde parce qu'elle était oh, quoique peut-être pas. Alors je vais déjà terminer la campagne qu'on a sur le but c'est pas de transformer la chaîne en truc Total War non plus, je veux garder une certaine diversité. C'est déjà deux séries qui se passent sur Total War. Donc Shogun avec Wither et qu'on s'est bien marré à tourner en plus, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis après, quand on aura fini notre campagne courte sur Rome Total War, donc je pense qu'il y en a encore pour 15 ans épisode au moins, j'enchaînerai certainement sur Barbarian ou Medieval 2, selon les envies. J'aimerais bien rejouer à Barbarian Invasion, c'est vraiment une extension que j'avais vachement aimée. Mais oui, si j'ai encore la sauvegarde quelque part, c'est encore possible. Je continuerai dans ce cas-là la série sur Medieval 2 Total War à l'occasion. Elle est... Si j'ai encore la sauvegarde, mais à vrai dire, il n'y a rien de moins sûr. Fallout, j'ai essayé que le 3 malheureusement. Le 1 ou 2, j'ai jamais joué. Je sais que le 3 a pas mal changé les choses. Donc voilà. Et lorsque le nouveau SimCity va sortir, vas-tu continuer SimCity 4? Eh bien, c'est la grande question. C'est la grande question, parce que je vais vous avouer que SimCity 4, j'ai parfois l'impression d'un peu tourner en rond. Je sais pas. Ça dépendra de mon intérêt pour le 5. Certainement que les premières semaines, je vais remplacer les choses SimCity 4 par SimCity 5, bah, tout simplement pour vous fournir le plus de contenu possible sur le jeu. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils attendraient mes vidéos avant d'acheter, etc. Donc je veux vraiment vous présenter le jeu assez rapidement, le plus de manière la plus complète possible. Et puis après on verra selon bah, votre intérêt à vous, selon mon intérêt à moi, selon tout ça.
Donc voilà, pour l'instant, je sais pas, je vais d'abord attendre que SimCity 5 sorte, et puis je verrai bien à ce moment-là comment on va faire. Et Anno 60, 2070, c'est un jeu qui me tente beaucoup, donc certainement, si j'arrive à me le procurer, je sais pas à quel prix il est en ce moment, je vais regarder ça tout de suite. Ah, c'est les soldes de Steam. Eh ben moi qui avais de l'argent. Les soldes de Steam ont commencé aujourd'hui. Sega Collection, 70 euros. Square Enix, Valve Collection, Bethesda Collection. Et hey, bon, si vous voulez faire des affaires, c'est maintenant. Alors peut-être que Anno 70, c'est pas très cher. Je vais regarder ça. Anno 2070. Hop là. Ah bon, bah écoutez, je regarderai combien il coûte, parce que là, j'ai du mal avec mon clavier. Ouais, il est encore à 32 euros, vous voyez, et ça m'intéresse pas de l'acheter à ce prix-là. Donc, quand il baissera, certainement que je le ferai. Alors, ma meilleure expérience en matière de FPS, alors récemment, ce serait Natural Selection 2, qui a été vraiment une grosse révélation pour moi. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. À un moment, là, j'ai un peu décroché. J'ai pas eu le temps d'y jouer, en fait. Sinon, étant plus jeune, j'ai beaucoup joué à Star Wars Battlefront 2, étant un grand fan de Star Wars. Et puis, en matière de FPS, ma plus grande expérience, ouais, je dirais, bah, dans les jeux récents, Natural Selection 2. Et puis, en matière visuelle, bien évidemment, Battlefield 3, parce que au niveau visuel, quand vous faites tourner ça sur PC en ultra, avec tous les filtres et machin et tout, c'est un vrai bonheur, quoi. Après, FPS, j'y joue assez rarement, et je suis assez mauvais, du coup, parce que j'y joue peu. Voilà. Et oui, les questions-réponses en live, c'est pratique, mais... bon, je répète ça de manière surprise pour les 1500 ou 2000 abonnés. Ce serait sympa, c'est vrai que c'est assez pratique. C'est assez sympa, c'est pour ça que j'ai arrêté live un peu avant pour avoir le temps de chatter un petit peu avec vous. Si vous avez des questions, ça permet aussi de vous transmettre des informations. Alors, moi j'allais faire les soldes de Steam pendant ce temps-là, pendant que j'attends vos questions. Alors sur SimCity 5, à ce propos, oui, alors j'en avais déjà parlé dans une des vidéos d'information sur la chaîne. Je vais certainement commencer par faire une partie solo. Oui, seul le Dishonored à moins 50%, il est récent pourtant. je fais mon shopping en même temps, je suis désolé. Alors, à votre avis, pour quelle offre devrais-je voter? BioShock qui est au solde à chaque fois, Half-Life 2 ou GTA Vice City? Donnez vos avis. Comme ça, je voterai pour la promotion sur Steam que vous voulez. SimCity 5 solo, donc oui, certainement. Je ferai certainement en parallèle, j'ouvrirai une partie multijoueur pour les abonnés. Et en parallèle, je ferai une partie solo, bah, rien que pour moi, apprendre les bases du jeu, puis vous les apprendre aussi le plus rapidement possible. Il faudra que je fasse ça. Et pour ce qui est de la partie multijoueur, justement, je ferai certainement, alors quelques vidéos dessus, mais pas grand-chose, ce sera certainement une partie qui sera couverte, justement, par les lives. Bon, allez, GTA Vice City une fois, BioShock une fois, qu'est-ce qui va trancher? S'il y a un troisième qui dit Half-Life 2, bah, c'est moi qui vais devoir choisir, qui vais devoir trancher. Skyrim à 26 euros, Black Ops 2 à 49 euros, Natural Selection à 13,79€, bah voilà. Achetez-le, comme ça on pourra faire des lives tous ensemble, des parties tous ensemble dessus. 13,79€, franchement, pour ce jeu, allez-y, foncez dessus. Foncez dessus, il est en promo aujourd'hui. Hitman à 24€, ah, je me laisserai peut-être tenter. THQ Collection à 24€. Et forcément, bon, alors, pour qui je vote, moi, Deus Ex à 11€, Chivalry à 15€, il y a plein de jeux. Civilization Guns and Kings à 14€, Doom 3, ah, y a plein d'offres intéressantes, Walking Dead aussi, un jeu que je vous conseille, 18€, enfin 19, Left 4 Dead toujours, non, Battlefield 3, franchement, je veux pas le faire ou quoi que ce soit, bah, moi je vais voter pour BioShock, parce que j'aime bien BioShock. Battlefield 3, honnêtement, je suis vraiment pas bon, quoi. Donc, SimCity 4 à moins 75%, 2,49€. Donc, c'est le moment de l'acheter, les amis.
Donc, c'est pas le moment. Je vais pas pouvoir le. Vous payez autant en euros que moi en dollars. Vous parlez au change. Bah oui, exactement. Exactement. Et c'est comme les téléchargements de musique, c'est 99 centimes d'euros en France et 99 centimes de dollars ailleurs. Donc, vous voyez qu'on se fait bien entuber. Hitman, ouais, pas que je dépense tous mes sous maintenant. Faudrait que je garde des sous. J'aime bien garder des sous pour acheter. Bah déjà la précommande de Age of Empires à 80 euros, ça fait de Age of Empires, n'importe quoi, de SimCity 4 à 80 euros, ça fait mal. Et puis acheter Tomb Raider quand il sortira, c'est un jeu qui me fait très 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 envie. Max Payne 25 euros. Bon, il y a quand même des trucs. Sympa, faudra voir. De toute façon, faut toujours acheter le dernier jour pour avoir les meilleures affaires. Hein. Les affaires à moins 50, moins 75. Fear. Mais vous pouvez quand même choper des jeux pour pas très cher. Genre SimCity 4 à 2,75 euros. Je vais peut-être même me l'acheter. Parce que comme ça, j'aurai une clé sur Steam. Ça éviterait d'avoir des problèmes de clé avec le CD. Avant que je pose, citer mon nom en live. Foxvirus, oui, voilà, je peux citer ton nom en live. Foxvirus, quelle est ta dernière question? Oui, désolé, SimCity 4, SimCity 5, ça se mélange dans ma tête. Il y a encore des questions ou... Ah, les chroniques de Val de Brume, ouais, je sais bien, mais j'ai pas le temps. Merci, ta dernière question était ton expérience de tous les jeux que t'as le plus déçu. Alors, qui est le jeu qui m'a le plus déçu? Je saurais pas dire, à vrai dire. Le jeu qui m'a le plus déçu. Ben en fait, généralement, je me renseigne vachement avant d'acheter des jeux. Donc, s'il y a un jeu qui m'a pas mal déçu, mais j'arrive plus à retrouver le nom, c'était un jeu sur PS2, un jeu de destruction, enfin, un FPS, où il fallait détruire le plus de choses possible, c'était des machins super explosifs et tout. Oh là là, je retrouverai plus le nom. Je retrouverai plus le nom. Donc, je suis désolé. Mais bah je sais plus. Ils ont sorti un jeu il n'y a pas longtemps, ce studio. C'était Dark quelque chose. Je saurais plus. Mais non, là je vois pas vraiment un jeu qui m'a déçu quand je me renseigne vachement à l'avance quand même pour les jeux. Celui qui m'a le plus déçu récemment, c'est 13, parce que je l'ai racheté. C'est un jeu que j'ai adoré quand j'étais gamin. Il marche plus sur Windows 7, donc impossible de le faire tourner. Voilà. Ben écoutez, moi je vais aller manger. Je vous dis à tous, merci en tout cas d'avoir regardé ce live. Et puis ben, on en refera d'autres de toute façon. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que la vidéo de SimCity 4 est quand même sortie aujourd'hui. Donc si vous êtes en manque de Emmy Geek pour votre fin de soirée.
Et ben, n'oubliez pas qu'il y a toujours cette vidéo qui vous attend, l'épisode 42 qui vous attend. Voilà, merci à vous en tout cas, et puis bah, à la prochaine. Salut tout le monde. Thank you.